straight show. No.
first step in a dream takes you further than a thousand in this world. The veil may not be pierced so easily as flesh. Greater nightmares yet live. Death is but a chance for rebirth. This is the key to a crucible that stretches the sanity of the mind. Failure, ambivalence, death, a final abyss of unending darkness. Erased by misery, a howl from the void. Come to the edge of the abyss. Messieurs, dames, les viewers, bonsoir. Bonsoir à tous et à toutes. Bienvenue. Bienvenue. Je suis même pas coiffé. C'est ridicule. C'est un enfer ce que j'ai fait. Ah, j'ai des cheveux qui partent dans tous les sens. C'est un bordel. Ah, c'est ce côté-là. Ah, bonsoir le stream. Bienvenue à tous en ce magnifique 28 novembre. Comment allez-vous, les gars? Bon, on va s'en coiffer vite fait, tant pis. J'ai 2 minutes, de toute façon. Pourquoi? Parce que, de toute façon... On live dans, en gros, une demi-heure. Ce soir, on fait du Among Us FR, évidemment. Et en attendant, eh ben, je me suis dit, je vais lancer mon live avant. On va manger tranquillement avec vous, les copains. On va discuter un peu de tout et de rien. Faire un peu le point sur les dernières actus, bien évidemment. Et puis voilà, en fait, on va se mettre à la cool. Ce soir, ça va être un live cool. On est samedi soir, les copains. Je suis très content de vous retrouver en live. Et voilà, le tout, c'est de...
passez un bon moment. Merci beaucoup, bien évidemment, à Pimous pour ton follow. Très gentil à toi de rejoindre l'armée des légendes, en fait, basiquement. Alors que j'ai pété mon truc, c'est trop bien. Est-ce que je peux le relancer? Mon mini-vite s'est coupé, j'ai pas les derniers follow, j'ai plus rien. Bon, c'est pas grave, on va lancer la console directement via... Ouais, c'est pas grave, on va lancer directement la commande via... Via le tableau de bourre de Twitch. Mais ça peut la musique aussi. J'ai chaud. Ça me donne chaud de stream, les copains. Du coup, ouais, ce soir, on est sur Among Us avec les copains de chez RoiME, qui m'a gentiment invité pour l'occasion. J'ai dit oui, mais je suis carrément chaud. Je suis carrément chaud. Donc, on va passer une petite soirée tranquille. Pas de prise de tête. Du Among Us, quoi, j'ai envie de te dire. Among Us, c'est le but du jeu, de toute façon, c'est que... C'est pas un truc qui est frustrant, qui est énervant. Non, le but, c'est vraiment de s'amuser. Je redeviens un collégien, en fait. C'est ça qui est trop cool. On fait des petites enquêtes et tout. C'est vraiment, le jeu est trop bien. Je dois avouer, pour le coup, ils ont bien réussi leur coup. Le jeu est un succès. En tout cas, le chat va bien. Petite promo également. Demain, sur le Twitch de Cœur de Gamer, il y aura une petite émission vers 5h30. Où en gros, tous les streamers, les 30 streamers de l'événement, une manette, un sourire, on va se relayer toutes les 2-3 minutes. En gros, on va présenter nos streams, ainsi que nos donation goals. Mon donation goal, il est prêt, il est fait, je ne vous le révèle pas encore, je vous le révélerai demain soir avec l'annonce du nouveau planning, et avec l'annonce de la semaine prochaine, et avec l'annonce également après ce stream-là, justement. Je vais garder l'embargo au moins jusqu'à l'exclusivité de Cœur de Gamer, et après seulement, je pourrai vous en parler. Donc pour l'instant, du coup, je n'aurai pas l'occasion de vous dire encore tous les donation goals, mais sans trop vous en dire pour pas vous spoiler les plus grosses surprises, il y aura au programme de la cuisine, de la musique et de la coiffure. Voilà un peu les trois grands piliers de ce de donation goal. Voilà. Alors évidemment, les trucs gober un œuf ou manger une cuillère de paprika, on va éviter. Je trouve ça un peu classique, on va dire. On va faire des trucs qui me correspondent plus et qui sont pas forcément des défis en soi extrêmement compliqués à faire. Mais surtout, voilà, l'idée de faire des choses qui me font plaisir et qui me permettront de vous faire plaisir aussi à vous. Donc je vous ai dit, voilà, il y aura la cuisine, il y aura évidemment des cadeaux qu'on va vous donner par millions. Je sais que l'événement a plein de sponsors et qu'on a plein de cadeaux à vous donner. Moi, de mon côté, je vais également casser un peu la tirelire avant les périodes de Noël pour vous faire, à vous, un petit plaisir. Évidemment, j'ai encore moult cadeaux à faire, donc je ne pourrai pas faire des cadeaux infinis, on va dire. Mais en tout cas, ouais, on va essayer de dropper une petite clé pour un jeu, une petite clé pour un truc comme ça. Voilà, ça va être sympa. On fera gagner évidemment les plus chanceux. Le tout, évidemment, c'est que vous diffusiez le lien à vos proches, vos amis, vos contacts, des potes streamers que vous avez. Hop, ce soir-là, ils coupent leur stream et ils viennent nous host sur ma chaîne ou sur celle des 30 streamers avec moi. Le but, c'est qu'on fasse vraiment un énorme chiffre pour Make-A-Wish, qu'il mérite largement, en fait. Si vous connaissez pas, ils aident les enfants en très lourd handicap, en très grave situation, à réaliser leur rêve, en tout cas un rêve, pour pouvoir simplement les aider à, voilà, à aller mieux, en fait, basiquement, à pouvoir permettre de soulager la douleur et les soucis qu'ils ont. Et voilà, on en parlait la dernière fois, mais sur League of Legends, un skin d'un héros a été créé pour un enfant qui désirait faire son vœu. On a des popularités comme John Cena, qui ont réalisé près de 500 vœux pour les enfants, ou Justin Bieber également avec 250 vœux. Donc voilà, c'est vraiment un truc où un vœu coûte très cher à organiser, c'est grosso modo entre 5 et 8 000 euros. Et du coup, on a besoin d'énormément d'argent pour faire plaisir à plein d'enfants. Donc vous donnez. Certes, c'est bientôt Noël, mais casser la tirelire pour un enfant qui le mérite et qui se bat contre la maladie, je pense que c'est vraiment... le meilleur cadeau qu'on puisse faire également. Donc moi, je sais que de mon côté, je vais donner. Je sais que je vais également investir beaucoup de temps et d'énergie pour, voilà, stream un événement qui soit grandiose et qui fasse plaisir à beaucoup de gens. Et après, ah, vite, la musique est coupée, je vais en mettre une à moi, parce que j'ai pas envie qu'on mette des musiques, voilà, trop bourrin, on est plus en pause. Donc voilà, le tout vraiment, c'est diffuser le lien à vos proches. Je vais créer une commande la semaine prochaine, façon que je vais mettre dans le chat, qui pourra du coup être spammée par la modération. Le tout, c'est que voilà, il y a régulièrement des gens qui viennent et qui donnent. Donc voilà, venez pas forcément sur mon live. Il y aura des gros streamers. On peut pas encore vous dire qui, malheureusement, mais il y aura beaucoup de monde qui sera là à l'événement. Donc faites le tour sur Twitch. Vous tapez Cœur de Gamer, vous tapez Make a Wish, vous tapez une manette, un sourire, et vous allez voir, de toute façon, tous les streamers qui sont sur la liste. Vous les verrez quand l'embargo sera levé.
Et venez en fait, venez passer. Moi je serai en live tous les jours, ça c'est sûr et certain. Je serai en live tous les jours. Je vais au moins live 3 fois par jour. Mais comme vous le savez, j'ai pas la fibre. Je suis limité à 3 heures de live par jour, enfin 3 heures de live d'affilée avant que ça crache. Donc du coup, on fera des coupes, on fera des lives 3 heures, 3 heures, 3 heures. Mais on va en faire plein. Il y aura plein de petites capsules de moi dans le stream. Comme ça, on pourra faire du Overwatch, du Among Us, du Dead by Daylight, pardon, micro. Du Dead by Daylight. On fera plein de trucs comme ça différents. Et on pourra faire également plein de petites sessions différentes avec des petits délires chacun. Et voilà. J'ai pas de déguisement malheureusement à fournir. On va essayer de se déguiser un peu comme on peut, de se faire un peu. On va essayer de se grimer un petit peu pour l'événement. Mais du coup, pour l'instant, voilà, sans trop vous en révéler, voilà un peu du coup ce qu'on m'a proposé durant mon event. Merci beaucoup Demirgos pour le follow, pardon. J'ai la console qui est là, qui a un peu de retard, et j'ai pas l'annonce puisque du coup je l'ai coupé sur mon retour. Mais du coup, ouais, c'est un événement qui va être vraiment très plaisant. Bon, je vais manger. Vous m'excuserez, je mange en même temps que je vous parle. J'ai fait à manger, je vais en profiter quand même. Je sors justement de 3-4 heures de mon gosse. Et Roi-M m'a dit, tu fais quoi ce soir? Et je dis, bah je stream, mais je sais pas quoi stream, du coup, Borderlands marche toujours pas, du coup, bah on va stream autre chose. Et il m'a dit, bah si tu veux, on fait une soirée à Among Us, viens avec nous. Donc du coup, je suis venu, voilà. On commence vers 9h30, grosso modo. Bon, en tout cas, je suis là, je suis prêt, je vous attends. Du coup, voilà, ça va être cool. Donc n'hésitez pas à aller follow le Twitter de Cœur de Gamer. Donc, qui est une asso du full caritatif, en fait, full solidaire. Voilà, comme ils le disent eux-mêmes, respect, entraide, solidarité, équité. C'est trop bien. C'est une belle chose. Ah, je m'étouffais, pardon. Et ouais, c'est génial en fait. Comme ils l'ont dit récemment d'ailleurs, justement avec Cœur de Gamer. Ils ont des petits contenus prévus avec G-Motion pendant l'émission de présentation de l'équipe du Before 3. Donc le Before, ce sera avec du coup moi et tous les autres streamers qu'il y aura. On sera bien. Franchement, on va se mettre bien. Il y aura un lien de donation unique sur mon stream avec du coup différents donation goals. Ça va être le feu. Basiquement, vous voyez le Z-Event ? Bah on fait mieux. On va faire mieux que. On va nous aussi défoncer le record mondial. Je crois en vous, les gars. Je vais les pinguer. Hop. Formidable. Tout est prêt chez moi. Discord en petit. De manière à pouvoir voir d'éventuels messages. Bon, comment vous allez le chat, vous? Comment vous allez de votre côté? On écoute la magnifique musique de Borderlands 3. Déjà sorti en 2017, les copains. Déjà. Un jeu d'anthologie auquel je ne peux plus jouer malheureusement pour l'instant parce que j'ai pas encore réglé mes soucis. Mais bon, comment vous allez-vous? Ce soir, ça va être cool. J'ai trop hâte de vous streamer le jeu. Mon gars, c'est vraiment un putain de bon jeu. Le jeu en soi n'invente rien dans le gameplay. C'est un loup-garou très basique où on est 10 à jouer. Mais il réussit cependant à créer une petite hype et je veux dire pas dans la communauté mondiale mais genre en nous, c'est un jeu qui... Ouais, quand j'ai envie de passer une petite dose de gameplay sympa et de jouer 1, 2, 3 heures aux jeux vidéo sans me prendre la tête, bah je vais pas lancer Overwatch ou Watch Dogs 2 ou Dead by Daylight, je vais lancer plutôt Among Us et je vais me détendre. Donc c'est cool en fait. Le jeu est assez réussi. Jesper Kid, voilà. Le nom de la musique, c'est... Enfin, la musique est composée par Jesper Kid. J'ai le nom pendant que je mange. Manger, ça me permet de me souvenir de certaines choses. Parce que je suis un gars un peu stupide. De toute façon, vous le verrez ce soir. Hein. D'ailleurs, n'hésitez pas à regarder la VOD du live d'hier. On a fait du Among Us, c'était une tuerie. On a fait un superbe clip avec Demi. On a fait une game en imposteur à deux qu'on a fini en un tour. C'était une petite boucherie. Hop, on va juste écouter ça. Non, pas ça. Attendez. Il y a un morceau que je cherche, mais très précis. Voilà, on va s'écouter ça.
On va essayer d'écouter celui-là. Ah mais non mais putain c'est débile ce que je cherche, je suis stupide, je cherche pas le bon truc. Attendez. Voilà, on va plutôt faire comme ça. Ah voilà. Voilà, en principe il n'y aura pas de musique strikée par le bot. On est sur la chaîne NCS. Bon, j'espère qu'on n'aura pas de musique strike, sinon bah malheureusement je vais me désabonner de cette chaîne YouTube. Bon, apparemment, sinon, Manga c'est une nouvelle map. J'ai vu, c'est cool. Alors, j'ai pas encore vu à quoi elle ressemblait. Mais en tout cas, c'est bien que les développeurs comprennent qu'il faut vraiment qu'ils créent du contenu pour garder la hype. S'ils commencent à lâcher dès maintenant on va dire ce qu'ils ont mis, la communauté qui tienne, s'ils lâchent la bride dès maintenant, ils vont perdre tout le monde. Heureusement j'ai marqué chill. Attends, vous savez quoi? Non. J'ai mieux, j'ai mieux. On va pas s'emmerder. Vous savez quoi les gars, on va pas se faire chier. Moi j'ai la solution pour ce genre de problème. Voilà. On va pas s'emmerder. J'ai un mix tout prêt en fait. J'ai un mix tout prêt dans mon stream qui est NCS. On va le jouer, tant pis. À côté, mais c'est un petit plaisir. Petit sauté de pâtes. Restez des pâtes d'hier. Et ouais, étudiant, hein, c'est la rue. On mange des pâtes, hein, les gars. Sauce tomate. Hop, un peu de gruyère à la poêle. Tu fais dorer ça. Un peu de jambon. Un peu de gruyère râpée pour que ça fonde. Parce qu'on est en France, pays du fromage. Boum. Et c'est trop bon. Trop trop bon. Au passage, on va mettre ça. Boum, nickel. Faut que je le mette dans le chat, by the way. Parce qu'on a son commande. Parce qu'on a son Discord. Ah mais j'ai pas de jeu de sélectionné, je suis un connard. J'ai pas mis le jeu. Among Us, voilà. Ah j'aurais des modérateurs, je l'aurais vu tout de suite. Hein. C'est quoi, c'est commande ou commande? C'est ça. J'ai bon, super. Je connais mon stream, les gars. Trop fier de moi. Ah. Pas en vous partout non plus. Bon. On va attendre tranquillement que ça arrive. Ils ont dit vers 9h30, donc ça devrait pas tarder à arriver. On va quand même lancer le jeu en tâche de fond. On va baisser les sons parce que ça va vous tuer les oreilles sinon. Ce jeu est beaucoup trop fort hein, pour les oreilles par contre. Voilà. Hop. Nickel. Nickel, nickel les copains. Ok, le jeu est lancé. Super. N'empêche, c'est quand même une prouesse quoi. Imaginez que. Ça m'a fait rire, on en parlait avec des copains l'autre coup sur Discord. Imaginez que. Il y a des développeurs hein, qui se font chier à créer des jeux
en full HD, genre Red Dead Redemption, tu vois. Des milliers de pages de script, des milliers de doubleurs, des heures entières de records de cinématiques et tout. Ils sortent le jeu fait un peu de bruit sur Twitch, etc. Le jeu marche bien, c'est un bon jeu. Ils sortent des jeux, pareil, Blizzard, Riot, ça marche bien, mais voilà. Et d'un coup, t'as un mec qui sort un petit jeu un peu à la con, un peu indé, genre Fall Guys. Boum, explosion sur Twitch, les réseaux, tout le monde s'enflamme. En parallèle de ça, Among Us, petit jeu sorti depuis 2 ans, qui fait un peu de bruit grâce à Shroud et des streamers américains. Boum, explosion, tout le monde qui joue. Et du coup, tous les gros jeux des développeurs qui, au final, marchent quand même mieux dans la durée. Mais l'impact est quand même dingue de voir que des tout petits jeux comme ça, minuscules, peuvent faire des explosions sur les réseaux sociaux. Et Among Us, il y a 6 mois, personne ne le connaissait, hein, ce jeu. Alors qu'il est sorti il y a 2 ans, c'est paradoxal de ouf. Ouais, ça me fait rire. Ah, mais ça se réunit sur Discord, ça y est. Les gens arrivent sur Discord. Ah, mais ça s'appelle la musique, du coup. Voilà, on va attendre la fin de la musique. Voilà. Attends. Coucou. Hello. Coucou. Enchanté. Connecte-toi sur le Discord de l'autre Discord, juste pour voir si on a le son différent. Hop, je vais mute pendant qu'ils discutent. On va faire un redémarrage. Ah, apparemment, il règle des soucis techniques. Non, c'est toujours aussi faible. Et est-ce que son gain n'est pas au minimum par hasard? Ah, je sais pas. Parce que tout à l'heure, c'est vrai qu'elle avait baissé, vu que dès que je parlais, je m'entendais un écho. Ce qui est plutôt étrange, vu qu'elle a quand même un casque qui isole pas trop mal le son. Bon, on va éviter de regarder le Twitch, hein, pour éviter le... Pour l'instant, tu rates rien, je bouffe un plat de pâtes, hein, frérot. C'est pas le meilleur live de la décennie, je t'avouerai. Je suis allé checker, mais je suis parti, parce que la tentation du streamax serait trop forte. Oh, t'inquiète pas, c'est pas grave, sinon... De toute façon, voilà, ouais, c'est ce que je fais. On sait que tu mens énormément, Julie, donc on ne croira pas. Moi, je me connecte, sur le live, je suis en pause, comme ça fait un viewer de plus. Et voilà. Et du coup, j'ai 5 viewers, mais j'ai personne dans le chat, yes. Trop bien. Bon. Après, je vois pas la vidéo, du coup. Le bon. Corps est arrivé. Mais c'est dommage que Marco joue pas ce soir, parce que vous auriez pu voir l'inspecteur Gadget en pleine action, mais peut-être plus tard. Après, et comme on disait, Eleloc est pas sûr de pouvoir venir. Hein. Ouais, mais en fait, il m'a dit, en gros, bah, il l'a dit de toute façon qu'il venait de se mettre à table, ils ont bon appétit, les gars. Ils sont pas là tout de suite, on va dire. D'ailleurs, il y en a qu'un pour les deux qui a dit qu'il venait, hein, donc... Mais on a le bon McLean avec nous, qui est très bien aussi. Hein. Mais c'est pas l'inspecteur Gadget, on va dire. Parce que Marco, si tu veux, c'est un peu le troisième imposteur, toujours. Ah d'accord. Ne pas écouter. Il y a un peu des déductions foireuses, et le plus drôle, c'est que quand on crame que c'est lui, ça arrive assez souvent, il sait pas du tout se défendre, donc c'est assez drôle, mais voilà. Ce qui est marrant, c'est qu'on avait fait une soirée à Among Us, si tu veux, et après on avait enchaîné sur un Scribble, et je me suis dit... Salut tout le monde. Hello. Coucou. Et j'étais tombée sur le mot inspecteur Gadget, j'étais vas-y, je suis obligée de le choisir, forcément. Et c'est le seul qui avait pas trouvé inspecteur Gadget. Ouais. Te dire. Ah, bah voilà, on t'entend bien là. C'est vrai que j'en ai marre monté, c'est quand même super. Que de problème. Et du coup, bonsoir à ceux qui n'étaient pas encore là quand. Coucou. Salut. Ah, d'accord, j'ai envoyé valser ma souris maintenant, c'est super. Tant de violence. Et bon, du coup, il manque le roi. Salut. Hello. Bonsoir, maître. Coucou, coucou. Pix, il avait répondu, je crois. Ouais, il arrive aussi. Non, non. Ok, le roi. Du coup, il y a combien 2, 4, 6, 7. Ok. On va être 10. C'est cool. Pour le moment. Peut-être
quel Elok pourra rejoindre à un moment quand. Formidable. Monte un peu les voix de Discord. Que je vais pas régler son truc du coup. Bah, c'est surtout que je comprends pas pourquoi il a mis à jour sa carte graphique alors que la dernière fois ça avait déjà fait des blue screens à chaque fois qu'il lançait un jeu et il remet la version d'avant et puis là il remet cette version là. Je comprends pas trop pourquoi il. Hop. Bonjour, ok. Ouais. Bonjour le roi. Bonsoir. Hello. Salut le roi. Salut. Donc il manquerait une personne finalement. Ah bon bah, il va peut-être venir après, mais. Allez, il y a un problème de carte graphique. Il a mis à jour sa carte graphique là, des blue screens. Ah, c'est moi. Qu'est-ce que ce problème là Et les locks. À nouveau. Bah, qui réinstalle les anciens drivers au pire. Bah, ouais, mais il y arrive pas. Ce que je lui ai dit, mais visiblement il y arrive pas. Je proposais que JTP prenne la main sur son PC, il m'a même pas répondu, alors bon, écoute. Hein. Donc, si vous trouvez notre personne au pire. Ça me fait une pause boulot pendant le week-end au pire. Lol. Une pause week-end pendant le boulot à ta part. Genre un petit texte comme quoi on attend tout le monde. Sur le live sera plus simple pour vous les copains. Alors. Comme ça le jeu a dépassé 75 mégas sur le disque, c'est déjà pas. Hop, en impact. Boum, un contour. Noir. Nickel. Bien. Ils ont rien annoncé sur la mise à jour. Ah non, mais je pense que les mises à jour dont vous parlez, c'est les derniers correctifs qu'ils avaient. Ouais, ouais, après. Ouais, c'est tant mieux. Ok, super. Moi, ça m'a proposé de remise à jour. Bah, ça dépend quand est-ce que la dernière fois que t'as mis à jour ton jeu. Par contre, du coup, c'est full bugué en vrai. 350 ans, on va dire. Ah, toi. T'as déjà un problème de. Avec le mini-feed, il est pas à jour. C'est pas du tout marré dans les followers. Si jamais il me propose un truc, mais ça m'étonne. C'est bizarre. Normalement, c'est les mises à jour automatiques. Là. Pourtant, j'ai un truc d'alerte sur mon live, non? Ouais, peut-être. Oui. Est-ce que vous avez une map en préférence? Ouais, un truc. Non, je dis pas non pour Paulus, moi. Pas Mira. Oui, non, Mira. Pas Mira. okay. Allez, votons tous Mira. Hop. Allez, bon, ça m'arrange Paulus, mais c'est vous qui voyez. Oh, cette personne est une personne digne de mon respect. Allez, ouais. Tu diras ça quand je t'aurai éclaté. Voilà, on en reparle dans 5 minutes. Ah, j'allais me plaindre que mon overlay s'était encore barré, mais c'est bon, il est revenu. Tout va bien. Allez, c'est parti. In the morning. Toujours en oh là. Ouais, on est toujours. J'ai pas vraiment l'impression que les. Oula. C'est en train de mettre 40 ans à me mettre dans la partie, hein. J'ai un mauvais présentiment. C'est du forcing, votre gars. Fail to join game, très bien. Ouais, oh, roi, tu me files le nord. Ah, c'est vrai. Oh, tu serais trop gentil. Oh là là, quelle générosité. Merci, mec. Donc si on voit un cadavre et qu'on n'arrive pas à voir qui c'est lui, d'accord, c'est bien. Ouais. Pour sol noir. c'est la même règle qu'avec le roi. Hein. Techniquement, je mourrais en premier, d'après des statistiques. Ah. Écoute. Du coup, il nous manque G, c'est ça? Ah non, non, je suis là. C'est McLean. C'est moi. Yes. Alors du coup, à nouveau, on a Kamiko, Kamixo, Camille et McLean. Ah, je me renommer, attends, ce sera plus simple, ça que... Ça doit être ça fait bizarre de voir McLean pas en noir. Ouais, c'est vrai. Je vais juste baisser le son rapide de McLean. Et on est parti quand vous êtes prêts. Bah, je me mute. Bonne chance. Bonne chance. Bonne chance. Je lance alors jeu. Alors, je vais essayer de monter un peu les voix de tout le monde, le stream. Ok. Je pense que j'ai monté les voix de tout le monde. Si ça vous casse les oreilles, de toute façon on fera les réglages en temps et en heure. Déjà, je pense qu'on va monter on va monter un peu les voix déjà qui m'ont l'air un peu basses. Et surtout les sons. On va les ouvrir. Ça m'arrange. Hop. Ok, on va juste se mettre là en AFK vite fait. Monter juste le son du jeu.
Voilà, ok. On va tenter un scan. Ah, je vais me faire zigouiller dans 2 secondes, je pense. Je pense que je n'irai pas au bout de ce scan, malheureusement. Laissez-moi finir au moins les impôts, s'il te plaît. Je suis pas méchant. Ok. Si on ne m'a pas tué. Il y a Jay avec moi, ok. Ah, Pimbus, comment tu vas? Merci encore pour ton follow, mon pote. Ok. Merde. Nickel, la petite douche. Ah, faut que je sorte, vite. 1, 2, ok. Ils sont 3 ou 2. Ah bah, voilà. Il y a sûrement un gars dans la veine, j'imagine, du coup. Petit double kill. Ah. Non, je pense pas. Bon, en tout cas, il y a 2 morts, ça, je veux dire. Oui, il y a 2 morts, ouais. Mais je n'ai trouvé qu'un seul. Qui a été trouvé? C'est Pixel, là, qui a été trouvé dans l'arbre, dans la zone de l'arbre. Et du coup, j'ai croisé le roi qui était dans cette zone, ouais. Et JTP qui était aussi. Attends, t'étais avant de reporter le corps, tu confirmes que vous étiez bien toi et le corps uniquement dans O2? Oui, et, donc, enfin, les lumières qui venaient s'éteindre, donc j'ai pas vu s'il y avait quelqu'un d'autre tout. Parce que j'avais avant que tu reportes le corps, j'étais sur admin, il y avait 3 personnes. Donc j'étais sur admin, il y avait 3 gars O2, donc je pense qu'il est encore dans l'event. Bah ça doit être... Alors, j'étais aux caméras. Ouais. J'ai vu le roi qui était en train de faire une task au niveau de vie d'ordure. J'ai fait dérouler les caméras, j'ai vu qu'il repartait vers le haut. Et j'ai vu JTP descendre. Ouais. Du coup, j'ai quitté les caméras, j'ai croisé le roi qui arrivait dans la zone des caméras. C'est ça. Je suis allé voir en bas s'il n'y avait pas un cadavre. La lumière s'est éteinte au moment où j'ai commencé à rentrer dans l'arbre et il y avait le report du cadavre de Pix. D'accord. Okay. Mais oui, je confirme, en vrai, quand je suis monté, j'ai d'abord croisé Pixel qui était déjà en bas. Quand je remonte, je crois GBT qui descend, et puis quand je remonte encore aux caméras, tu sortais de là. Et voilà. Moi, je suis pas resté, enfin, je suis pas allé à Oud. Ah, j'ai un écho. Peut-être encore moi, ça. Oui, c'est toi. Je suis pas allé à Oud. Je suis allé directement en bas, alors là, j'ai pas la map. Du coup, je vais la reprendre. Je suis allé en dessous de. Enfin, vers Weapons, etc., vers l'extérieur. Mmh. Et personne d'infos sur la position de Nef de tout le round ou... Je l'ai pas croisé. Moi, je faisais partie du... Ouais, je l'ai pas croisé. Je fais partie du crew Specimen. Specimen, il y avait McLean, il y avait Camilo. Oh, c'était vous deux. Et tu m'as croisé aussi. Ouais. Je suis parti de l'autre côté, moi, je suis allé tout à fait, ouais. Mais t'es parti à peu près quand je suis arrivé, mais c'est vrai que je t'ai croisé subrepticement. Mais voilà. Attendez, ça veut dire qu'il était pas avec vous dans le gang laboratoire quand vous étiez 5 là-bas? À un moment, j'avais un gars labo, j'avais un gars spécimen, nous n'étions pas là. Tout le monde était dehors. Après, peut-être au début, mais il y a eu un gangbang au labo, il y avait tellement de monde. Oui, je sais pas si t'étais avec moi. C'était 5 ou 6 au laboratoire à un moment. Ouais, quand je suis arrivé à admin, je te dis, il y en avait vraiment un par endroit et juste 3 gars au 2. Tout le monde était assez réparti. Les gens se sont séparés d'eux-mêmes, je pense. Et bah, je pense que c'est pour ça que Nefri s'est fait tuer. Il doit être mort dehors, du coup, j'imagine. Ou alors, s'il est. Après, c'est une supposition, hein. J'accuse personne. Aussi bien, il était à O2, ça a été un double kill à O2. Comme j'ai pas pu voir plus loin avec la caméra coupée. Bah, j'aurais vu 4 personnes à O2, là j'en vois avec 3. Oui, sauf que le cadavre était déjà là. Et ah, oui. L'autre est arrivé et qu'il a vu l'autre cadavre. Pour éviter qu'il y ait un report, qu'il le tue et qu'il vente à ce moment-là au moment où j'arrive. Ouais, peut-être. Ouais. Ça skip. Mais il y avait qui à O2 du coup? Il y avait le roi. Puis dans la zone, il y a moi, Pixel, Arten et GPT. Ok. Non, si les voix sont pas assez fortes, vous me dites, hein, surtout. Vous me dites la voix de machin, ou vous essayez de me dire... Je pense qu'au niveau des voix, on n'est pas trop mal. On met la musique pendant uniquement les temps de... Voilà. Oh, comment ça, tout slow? Ouais, je préfère, ouais. Eh, tu sais pas qui je suis, hein. Ok. Cette musique, elle a une transition qui est tellement longue.
Ah voilà, personne ici, ok. Advent. Mais tu es pas McLean ? Je prends tout le risque du pays en faisant ça. Innocenté McLean, je pense là-dessus. Quoi, elle était si vite à les faire? Attends, parce qu'il était vraiment très vite à les faire là. Pareil, rouge, il était super vite aussi. C'est quoi ces mecs qui vont trop vite à faire les tasks? Ils sont arrivés avant moi, ils sont partis après. Il y a un gars au-dessus de moi. Il y a un gars là-dedans. Y'a pas de mort, ok. J'ai plus que les fils à faire, je pense. Alors, on va étaler de spécial à mort. Ok, Sion est mort. J'ai croisé qui? J'ai croisé Roi ME qui était avec moi. Sion est peut-être mort en bas. On va aller voir en bas à gauche. Je l'ai pas vu. Ah, ok, il est là. McLean. Aïe, aïe, aïe. McLean, je l'ai pas trop croisé ce run là. Ouais, il était beaucoup avec moi. Il est au-dessus de sécurité à côté de la vente. Ouais, ok. Je suis en train de réfléchir où je l'ai croisé. Est-ce que c'était. À un moment, j'étais à Weapons avec quelqu'un. Ouais, c'était moi, on l'a croisé. T'es rentré. Exact. Ouais, c'est ça. Il est sorti, t'es rentré, moi j'étais encore là. T'as été très rapide à faire tes Weapons et... d'ailleurs, t'es parti avant. T'es parti avant moi alors que j'étais commencé après. Bah non. T'es allé où? J'ai commencé en même temps que toi. Alors, après, j'étais en O2. Cette fois-ci. Et quand t'as fini l'O2, t'es allé où? Bah, j'ai fini l'O2 et ça était à Report. Enfin, c'est. Oui, c'est ça. Quand même bizarre, c'est que je t'ai pas vu à O2 alors que je t'ai suivi juste derrière toi. Comme ça derrière lui. Comment ça? En fait, il est sorti de Weapon avec Camilo. Et comme j'avais un doute sur lui, j'ai attendu un peu et je suis reparti en direct. Ah, mais non, mais c'était. Du coup, non, je me suis trompé. Oui, c'était Camilo. Ok. Et j'ai remonté, je l'ai pas croisé, et j'ai continué la route et j'ai vu le cadavre en haut. Le kill a dû être fait il y a pas si longtemps que ça, parce que j'étais à Security il y a environ 20 secondes et il y avait pas de cadavre au niveau de. Ouais. Je te confirme avec les Vitals, il est mort. Je suis parti à labo et il y a eu le. Bah, ouais. Je peux t'assurer que j'étais O2. Oui, mais à O2, il y a une veine juste à côté de la veine où il y a eu le cadavre. Par contre, Arten. Oui. Pourquoi t'es encore à gauche? Parce qu'en fait, je suivais JTP, en fait. Je venais de finir les quêtes que j'avais à O2. Et j'ai parti en direction de l'admin pour faire mes quêtes. Et j'avais une quête à la main room. Et quand je les ai vus croiser tous les deux, Camilo et JTP, j'ai préféré suivre JTP. Enfin, le roi, cette question est valable pour JTP aussi. Pourquoi est-ce qu'il est à gauche encore? Je veux dire, je t'ai croisé une seule fois en bas. Et puis derrière, tu trouves encore une fois le cadavre. C'est, enfin, je veux dire. C'est entre gris, entre marron et rouge. À chaque fois que je te croise, il y a un cadavre, oui. Clairement. Oui, bah à chaque fois que t'as croisé, enfin t'as trouvé un cadavre à chaque fois quoi. Je le vois mal, self-report deux fois. Enfin, à chaque fois, c'est gros quand même. Après, j'ai pas l'info parce que c'est littéralement, je vous ai jamais croisé de l'arène. J'ai croisé une fois Jay et puis c'est tout. De ce tour-là, c'est tout. C'est vrai, je me rappelle pas avoir croisé Mamzelle ou Jay de toute la game. J'ai croisé personne sur les deux rounds, personne, à part Camilo et Jay, le premier ouais, round. C'est ça. Et puis, il y avait. Si, je crois que j'avais croisé McLean aussi le premier round qui descendait vers. Et toi, Mzel, t'étais en train de faire ton vide d'ordure en début. Non, mais là, de début, ouais, je fais mes gars, il faut voter là. Parce que... Il reste 25 secondes. Bah après, si vous voulez voter pour moi. Projection 50-50 et qu'on rate le bon, on est dans la merde. Si vous ratez qu'un double kill, et bah. Mais tant que si on rate quoi qu'il arrive, on a un double kill. C'est ça. Quoi qu'il arrive, on est obligé de voter. Je suis désolé, j'ai voté JTP depuis le début. J'ai gardé rouge aussi. D'accord. Ouais, j'ai plus de phoenix sur rouge aussi que sur marron. Personne ne suspecte marron apparemment, tout le monde a été convaincu par marron. Bon, adios. Ouais, il m'a semblé très rapide à faire ses weapons. Il m'a dit qu'il a commencé en même temps que moi, ça me paraît gros. Je l'ai vraiment vu arriver après, j'étais arrivé, j'ai commencé. Il est venu, on a fini vraiment en même temps, même peut-être même un peu avant il a fini.
Ouais, bon, acteurs sont activés. Oh, buzz au cas où. Est-ce qu'on prend le doublé pour être sûr ou... Je sais pas, là y'a pas eu de kill. Si vous voulez, mais après s'il y a pas eu de kill, donc ça veut dire qu'il y a pas eu de double kill, donc ça veut dire que au moins un imposteur a été sorti à mon avis. Sinon il se serait jeté sur le kill quand il arrive. Ouais, c'est ça, quand il y a eu le réacteur, il se serait jeté dessus. Ou alors il s'est perdu, il a hésité trop longtemps. En tout cas, ça peut pas être Camilo parce que sinon il aurait pas resté au buzzer ainsi. Ouais. J'aurais sauté sur le gars, on va essayer de faire un kill. C'était pas au buzzer. Non, je suis pas sur réacteur. J'étais quoi, non? Je t'ai suivi au ME tout le début, réacteur, t'es parti à gauche, mais à droite. Oui, et moi, je suis parti avec Humzel, réacteur ouais. De droite. Ouais. Et on a croisé Camilo qui arrivait au niveau du réacteur à ce moment-là. Ouais. L'alerte a été arrêtée et il est parti buzzer. Réacteur de gauche, c'était le roi. Ouais. Et droite, c'était Humzel. Il y a Jay qui m'a accroigné après. Bon, comme bah, vous voulez, non, c'est ok. Bah, go skip si vous voulez pas, ça marche. Oui. Bah, j'ai zéro info, mais en vrai, franchement. Non, bah, c'était. Ouais. Non, c'est surtout pour prendre le doublé, voilà, faire le 50-50 entre Artendras et JTP, mais si vous êtes persuadé que c'est pas lui, ça va. Je suis pas persuadé que c'est pas lui, mais voter maintenant, ce serait pas logique. Tu vois. Ah, du coup, ce doute va te. Ouais, tant pis. Parce que du coup, il va garder un doute constamment en fait. Il a gardé un doute constamment dans la partie de. Est-ce que c'est vraiment pas lui? Est-ce que. En fait, quand t'as le doute entre deux joueurs, vaut mieux prendre le risque de tuer les deux et au moins te dire je suis sûr que j'ai tué un imposteur, donc je suis sûr qu'il n'y en a pas deux qui essaient de me la mettre à l'envers. Ouais, c'est là-bas qu'il faut que j'aille. Je pensais que c'était à la bouche, j'allais faire tout le tour et tout, mais en vrai, on va gagner du temps. On va rusher. Je pense qu'il reste plus que mes tasks d'ailleurs. On va pas se mentir. Les lights ont été coupés. Ça me dérangerait pas de mourir maintenant. Y'a pas de mort ici, y'a pas de mort ici. Y'a un gars office. Il est encore là? Y'a un gars full avec office et Data Vitals. Ah mais y'a un mort sur les Vitals. Ah. Moi j'étais avec Arten au labo. Où est le corps du coup? Il est mort depuis un moment. En fait j'étais un peu con, j'étais regardé sur admin et je fais il y a un mec sur office et je venais d'y aller. Du coup dans le nord j'ai fait tout le tour de la table et je fais bah non y'a personne. Je reviens admin, je fais mais si il est encore là et je fais ah mais du coup il est Vitals. Il y a le cadavre sur le Vitals. Du coup il est dans la Vitals depuis. Attends t'es parti par gauche. Et t'es rentré par la gauche aussi. Ouais, parce que exact. Je t'ai vu partir à gauche, c'est vrai. Ouais, c'est ça. Puis, on a eu un mauvais timing parce que j'ai fait les wiring à labo et à O2 et je suis revenu faire les wiring de. Ouais. D'office. C'est ça. Après, Zel, t'as été avec moi au début, mais ça fait un petit moment que t'es plus avec moi à labo. Bah, à labo, je suis parti complètement à droite en fait. Toi, t'es parti en bas, t'es parti pour aller à Specimen, non? Alors oui, mais sauf que j'ai vu que comme il n'y avait plus de lumière, j'avais les fils à faire juste avant la porte. Du coup, j'ai attendu le ça se referme pour se rouvrir de l'autre côté pour aller faire mes fils en fait. En fait, quand j'étais en train d'ouvrir la porte de labo, je crois que tu étais en train d'essayer de l'ouvrir en même temps, sauf que j'avais déjà fini. Et puis, enfin, c'est vrai que je t'ai pas attendu, mais tu es resté à la porte pendant un moment et du coup, tu as dû me perdre de vue. Mais je voyais le bout de ton pseudo encore qui apparaissait, mais je suis partie complètement à droite pour faire... Enfin, je pense qu'on va pas dire nos tâches après, mais bon. Emeu, t'as fini tes tasks ou pas? Ouais. Artendras, t'as fini aussi? Non, moi il me reste un fil à faire dans les toilettes. Moi j'ai fini, parce qu'en fait je voulais finir ma quête et puis te suivre. Goski, mais... parce que je pense qu'il nous manque la même task à toi et moi, Arten, donc. Je pense que la game se joue pas à cette façon. Moi il manque juste le laboratoire et spécimen. Ah, pareil, il manque un fil à faire et j'ai fini, donc c'est pour ça que je vais. En vrai, ça va être impossible pour le chat de faire deux kills maintenant. C'est une victoire quasiment gratuite du coup les amis hein. Barrel Melee Light, on va la gagner comme ça. Bah donc celui qui me suit est forcément l'imposteur, il va vouloir me zigouiller. Et c'est Marron qui me suit. Ah non après il avait parlé de fil à faire ici aussi. Bon
ça va, j'ai pas été trop mauvais cette partie. Nickel. Ah, d'accord, il s'est fait kill vent. Putain, vous êtes chiant. C'est pas vous lui con. Ah non, moi j'étais au light là. C'est moi qui viens de les réparer. Ah bah on a le même alibi, c'est marrant. Ah oui, bien sûr. Ouais. Moi je suis parti directement à gauche pour rusher les lights. J'ai ouvert toutes les portes d'ailleurs qui étaient toutes fermées. Ouais. Moi je voulais pas me stack avec les deux autres zigotos justement pour éviter. Au tout début t'étais d'ailleurs collé à JTP apparemment de ce qui avait été dit. Donc, j'étais bon, à gauche parce que le pixel était mort à gauche, oui en effet, pour les points. Ouais, ouais. Voilà, voilà. Bah. Tu peux te baser. Bref, ce qui est bizarre quand même, c'est que je suis resté avec Arten le tour d'avant et le tour encore avant tout le temps. J'aurais pu le tuer très rapidement en fait. Et quand il y a eu le kill sur Vitals, puisqu'apparemment Jay était sur Vitals, on est parti directement de office. Nous, on s'est barré directement avec Arten pour aller au labo. Ouais. Il a fait son labyrinthe juste en dessous de labo, je l'ai attendu et ensuite on est allé à labo. J'aurais eu largement le temps de le tuer. Oui, d'accord, mais t'avais besoin d'un alibi quand GPT était encore en vie. À ce moment-là. Oui. Voilà. Toi aussi, tu avais besoin d'un alibi, visiblement. Je pense à blanc. Parce que j'ai passé beaucoup de temps avec beaucoup de monde, c'est vrai que. Ah, ceci dit, celui qui ferme tout le temps toutes les portes et qui adore saboter les lights et les réacteurs, c'est souvent toi quand même. Ouais, si on veut. Mais... En vrai, j'aurais pas dû aller prendre le corps, j'aurais juste dû laisser faire ses tasks. J'aurais gagné la game, on aurait gagné comme ça. Tu peux l'avoir eu, hein, tu vois. GPT aussi, il commence à l'avoir de plus en plus. Après. Camille, je sais qu'il joue bien aussi, mais il a été bête, il a dit où est-ce qu'il allait. Que ce soit lui qui fait le kill, ça aurait pas de sens en fait. Sur les rangs d'avant, ça n'a pas de sens. Ah non, mais Camilo, en fait, non, il est simple. Là, le truc qui me fait dire que c'est toi en fait, c'est que j'allais dire justement que j'étais au light, c'est toi qui dis que t'es au light. Bah, bizarrement, je t'ai pas vu au light, tu vois. C'est, on a c'est le même problème, c'est ça le truc. Ouais. Autant j'avais autant de doutes sur toi et Camilo, mais là, avec ce que tu dis en fait, ça peut être que toi en fait. C'est aussi simple que ça. Ah, ça me fait beaucoup rire quand même. Ah bah, si tu veux, on est là pour ça, mais. C'est enfin, je sais pas, au début j'avais. Bon, réglez-le au pire face 2. Non, je suis. Ouais. Je pense que c'est surtout entre tes mains, Camille, en fait. Bah, je pense. À moins qu'on se comprend totalement. Mais... Allez, non, je pense merci. Que... Merci, Camilo. Parfait. T'as bien choisi. Impeccable. Ouf. Yes! Bravo, Camilo. Putain, yes! Bon bluff le roi, mais non! C'est le fait du que coup, tu. Oui. C'est quand? C'est le fait que tu m'es. C'est le fait que tu m'es dit bad timing sur office, j'ai fait. Ah, mais du coup, t'étais office! Du coup, j'ai fait. Du coup, t'as tué Jay en fait! C'est là que tu m'as. Oui, au début, j'étais avec elle. Quand tout le monde était. Quand elle est morte et que tu m'as dit, mais attends, t'es passé. T'as joué le gars sûr en mode qui vient checker admin avec moi, qui vient checker les Beatles avec moi, et tu m'as fait ça de merde, quoi! Non, mais. De toute façon, même pour les premiers kills, j'étais au mauvais endroit à chaque fois. Il y avait des doutes sans que j'ai rien fait au début. C'est dommage. C'est... Les JTP, ouais, du bien coup, c'est toi les deux kills à chaque fois. Ouais. j'ai vu, t'as fait avec le weapon, t'as été trop vite. Mais Camilo, le dernier kill, tu m'as lâché une demi-seconde. Oui, j'ai vu. Il est sorti, il m'a kill, il est re-rentré. J'ai dit non, t'es sérieux. Il va aller spécimen, donc j'ai le temps d'aller chez Mamzelle. Non, parce qu'il me restait justement qu'un fil à faire, justement. Et je savais qu'Artenra c'était d'elle, parce qu'il avait dit. Et du coup, je me suis même dit, il est mort pour ça, il a dit qu'il allait. Donc forcément, du coup, il s'est fait sortir zigouiller. Vu que les lights étaient éteintes à la fin, je voulais suivre Arten, mais le problème c'est que j'y voyais rien du tout. Du coup, je suis parti au light directement pour les réparer. Et quand j'ai dit mes tasks, j'ai dit putain, j'aurais pas dû le dire parce que du coup, je sais où m'attendre. Ouais. Ouais, bonne game à tous. Ouais, bonne game. Bien joué, bonne chance. Yes, putain, j'ai fait le bon choix. Une victoire. Le mec il va tryhard. Ouais, je suis content, putain. J'ai pas ruiné. Maman, c'est pour toi. Toutes ces années à dire que je suis intelligent, elle paye. Putain, oui. T'es pas mort là-bas quand même. Non, ça va, ils se respectent. Ok, c'est bien, ils se respectent. Ils vont pas tuer dès le début de la partie, c'est bien. On va faire le download, on va aller pré-shot les lumières. Ils vont couper les lumières maintenant, j'imagine, on va. Voilà, bingo. Ah putain, je l'ai vu arriver. Ah, la petite Ventov directement. Ouais, je me suis trop exposé dès le début. J'aurais pu la faire plus safe. On va plutôt faire la carte.
Ah bah voilà, mon corps a été trouvé. Oh, j'ai les mains aussi. Ah, oh, quel dommage. Ok, les kills ont été faits pendant les lights, les deux. Je pense. Ah, toi t'étais admin, Ouais, j'étais admin. Moi j'étais tout seul à Specimen Room, j'ai fait le labo et après je suis à la Specimen Room. Je suis en train de faire mon scanner à labo. Moi j'étais à Weapon, j'ai croisé personne de la game. Alors, j'ai vu Artel partir en Specimen. J'étais parti pour aller faire ma quête Weapon et light s'éteigne, donc je remonte. Ah oui, si, j'ai croisé, je t'ai croisé le roi au niveau des lights quand t'es remonté. Bah fais gaffe, je t'avoue. Quand les lights sont éteints, j'ai ouvert ma carte pour savoir, enfin, okay. Voir les quêtes que j'avais dans la zone au cas où, mais enfin, si tu m'es passé dessus, j'ai pas fait attention. Oui, bon, c'était juste 2 secondes, quoi. C'est souhait. J'ai vu des sacrés lags parce que j'ai vu Pete se téléporter 3 fois. Ah. Mais je t'ai pas dit. C'est tout. Bon, pour vous expliquer, du coup, je remontais, il faisait totalement noir, et quand j'arrive sur la porte électrique, il y avait quelqu'un qui est avec moi. Et quand les portes s'ouvrent, j'ai le bouton report, mais je voulais voir un peu était le cadavre, et en fait il est entre le download et l'électrical, la porte d'électrical en fait. Donc il est vraiment entre les deux. Et je pense que c'était du coup lui qui était quand même début de game, parce que les caméras étaient allumées pendant un moment. Ouais, j'ai dansé sous une caméra d'ailleurs. Donc... Ok, le download c'est au-dessus d'électrical, c'est les câbles à gauche. Ouais, c'est ça. À côté de la veine, c'est les câbles, et au-dessus de la porte, c'est le download. Okay. Okay. Pix, t'es passé où après le lab? Je suis descendu en Specimen Room. Avec Arten. Arten était parti devant moi, il m'a claqué la porte au nez. Ah, c'est toi qui étais derrière. Et donc du coup, je suis arrivé derrière et je venais d'arriver à Specimen Room quand on a eu le report du cadavre. Moi j'en sortais, moi. J'en sortais. On a vu qu'un cadavre. Tu sais qu'il était encore à labo, là, du coup? J'ai trouvé qu'il y a la vidéo. Ouais. Ok. Après, je sais pas si Jay est morte à côté aussi, mais j'ai trouvé le cadavre de Camilo, ça. Mais après, je sais pas si le deuxième corps était là, j'ai cherché qu'après un seul call, il a été éteint. Bah, de toute façon, vous avez vu tous les trois à droite. Là. Merde, pardon. Bah, moi j'ai vu, enfin, à part du coup JBT qui me dit qu'il m'a vu, enfin, qui m'est passé dessus pendant les lights, j'ai croisé personne. Moi j'allais aller voir justement à labo parce que je voyais 3 personnes et puis d'un seul coup plus qu'une seule personne, je me suis dit tiens, c'est bizarre, hein, mais ça a eu le report juste à ce moment-là en fait. Ah, du coup, ça peut être. Oui, mais du coup, c'était Arten, Pix et Nefris, quoi, qui étaient tous les trois ensemble, puis ensuite, il n'y avait plus que Nef qui était au labo, quoi. Ouais. Ok. Enfin, c'est tout. Ouais. Ok. McLean, tu venais d'où, en fait? J'étais dans le labo, quand les lumières sont éteintes, je suis allé. En fait, je voulais descendre dans le laboratoire, j'ai vu que les portes s'étaient fermées, j'avais la flemme de les attendre qu'elles se rouvrent. La lumière, la light, elle avait coupé, j'ai foncé pour les remettre. Et j'ai vu le corps de Camilo devant la porte, quand j'avais le report, et bien. Je confirme qu'il était bien là-bas et qu'il est parti. Hein. Ok, ça va. Pas de soucis. Écoutez. Ok, ça va être qui pour tout le monde. Pas de truc de mi. Ça va le mettre bien, ça va le mettre très très bien là. Roi ME, il va être très très bien. Et du coup, c'est encore. Ouais, ok. Je voulais pas trop vous spoiler les tueurs, mais bon. Ça a été. Dans le chat, je me doutais bien que le message qui était marqué c'était pour demander le deuxième imposteur. Du coup, c'est bel et bien rouge et blanc, les impôts. Merde. Donc c'est encore rouge. Et c'est encore blanc, c'est le même duo en fait. C'est le même duo, c'est dingue. La probabilité que ce soit eux deux fois, elle est assez élevée. Elle est peu élevée, pardon. Ok. Alors il a bugué sur la porte. Oh
Ok. Ouais, mais directement, qui s'arrive dans... Ok. Dans Office, pas de kill de prix. Ouais, mais sur admin. Qui prend l'info et qui repère directement. Les deux joueurs qui partent vers Spécimen et JTP qui arrive, l'imposteur numéro 2. Le doublé n'est pas tenté malheureusement pour les deux imposteurs. JTP qui va repartir sur admin. Ouais, mais sur Vitals. L'info est prise, les lumières sont coupées, là directement dans les toilettes. Le pseudo qui n'est pas vu parce que les lumières sont coupées, on ne voit pas le pseudo. Et RoME qui va venir récupérer sa victime, Nefris, qui va tomber, je pense, dans la douche. Boum, c'est pris directement le kill, incroyable! De la part de RoME, RoME qui vente. Et qui s'en va, et le corps report par McLean. McLean qui, voilà, l'a trouvé. Bien, où ai-je? Et les tasks sont déjà quasiment terminés. Alors, le corps dans le labo, enfin, je sais pas où il était, moi j'étais devant les portes. Pour descendre justement dans le laboratoire tout en bas, je voyais le bouton report. Comme les lumières étaient éteintes, j'ai cherché un peu, mais je le voyais pas. Je sais pas exactement où. Alors, laboratoire dans ouais, le laboratoire ou Specimen Room? Non, laboratoire, et je devais descendre à Specimen Room. C'est ça. Donc, juste c'est marrant, j'ai croisé. J'ai croisé Neuf et Pixel ensemble. Ouais, mais on est allé en Specimen Room ensemble. Okay. Et avant, du coup, j'avais croisé Mamzelle en entrant dans le ouais, décontamination. Ouais, tu m'as fait peur d'ailleurs. J'étais dans le sas et puis... Et j'aurais pu te tuer pas mal de oui, fois. Oui, non, je sais. Y a pas de soucis. Moi, je suis passé par labo, mais j'avais 0-4 à faire là, donc j'ai rush électricole et je suis allé au 2 directement. McLean ? Ouais. Pourquoi t'as sa freeport maintenant ? Comment ça, c'est... Hein ? Il est mort il y a moins d'une seconde. Je suis vital. Ah. Ah non, mais c'est sûr, certain, c'est pas moi. Non, moi j'allais. Peut-être qu'il était mort dans la pièce. Le sas. Oh, la petite douille. Moi, dès que je suis approché de la porte, j'ai cherché. Comme les lumières étaient éteintes, je ne trouvais pas, j'ai appuyé sur le bouton report. Mm-hmm. Ouais, mais enfin, moi je peux juste te donner l'info que Nef était bien vivant il y a 2 secondes, mais par contre, il y a 1 seconde, il est mort et le report se fait maintenant. Pas mal! C'est pas mal du tout ce qu'il fait. Les lights sont éteints, donc je peux comprendre qu'il y a un mec dans la zone qui t'as pas vu, mais. La position des autres, peut-être ? Je suis à Waypoint, je viens de cliquer sur le 20ème astéroïde au moment où il y a eu le report. Je suis à O2, je viens de finir mes 4. Je suis dans le SAS, en admin. Je reviens de Specimen Room. Ok, donc vous êtes tous tout seuls, donc vous pouvez tous mentir. Ah bah moi, mon alibi c'est Neuf, hein. J'ai passé ma game avec lui. Ouais, bah il est mort. Du coup, voilà, c'est un alibi un peu en carton maintenant, désormais. Un peu trop froid, dire. C'est vrai que moi, je vous ai vu rentrer dans Specimen Room à 2. Ouais, j'ai croisé Pix au début en haut 2. Donc je sais pas. Avant le séisme, il y avait Pix et un autre. Je suis allé à droite au niveau du reacteur. Avant le séisme, j'étais au caméra. Je sais pas qui a fait la gauche. Qui? Je confirme. Toi, t'étais en train de faire tes O2 canisters quand Pixel il ouvrait la porte pour te rejoindre. Ouais, il y a une autre personne aussi qui nous a rejoint. Je suis remonté avec McLean en fait. Moi j'ai fait les O2 canisters. Et après on a ouvert les portes avec McLean pour remonter vers les séismes et ça a été réparé entre temps. Et en redescendant j'ai croisé Neuf et on est parti en Specimen Room. Et on a bien croisé JTP à la sortie du Sassan Lane. Mais du coup t'as quitté Neuf en Specimen Room? Non, j'étais en Specimen Room en fait et on faisait pas la même quête. Et en fait les lights se sont coupés pendant ma quête. Et moi j'avais qu'une seule quête à faire là-bas et quand je suis reparti les lights étaient coupés. Après je vois et pas comment... Le seul problème qu'on a là... Il y a pas de 20 en Specimen Room en plus. J'ai tendance à croire le royaume. Le problème c'est que... On est par rapport à Room d'avant. 10 secondes. Et pour le Vitals... C'est soit ça, soit c'est toi qui nous mens et t'es un imposteur. Bah oui mais non. Oh il l'a fait sauter. Il l'a fait sauter. Ça peut pas être possible autrement. Oh il a été jusqu'au bout. Il l'a fait sauter. McLean qui tombe directement. Incroyable! Oh, cette action! RoME qui a tout donné! Magnifique ça! Franchement, les gars, putain, ça c'est beau, hein! Ah putain! Oh con! Oh, c'est beau! Ah là, ils vont prendre le doublé, forcément! Dire, ouais, remettez les lettres, ouais, on fait genre! Boum! Exécution! Et voilà, bien joué! J'étais sûr que c'était lui. Incroyable, le même doublé. J'ai vu ça, ça m'a fait rire, ouais. Nefris, il a un théorème qui est quand même jusqu'ici totalement vérifié. Si Roi est dans les 4 derniers joueurs, c'est forcément un imposteur. Mais du coup, tu l'as trouvé. Tu l'as tué quand, Nefris? En fait, je l'ai tué peut-être 2 secondes avant qu'il reporte.
Ouais. Dans le noir, j'ai 20 admin et je voulais voir du coup s'il y avait quelqu'un Vital. Alors le et pire, c'est que. Vision, j'arrivais à voir qu'il y avait personne Vital. Il faisait plus noir, mec. C'était rallumé les lumières. C'est juste qu'il était trop haut pour voir le corps. Ah. Ouais, j'ai vu l'alerte se tasser sur la flèche. Bah si, il faisait encore noir parce que. Non, non, il faisait encore noir. Il fallait encore regarder la. Ah ouais, bah alors, j'ai pas vu la flèche rouge. Ouais, non. Et je me suis dit qu'on avait fait une connerie au moment où j'ai vu justement que toutes les portes étaient fermées, les lights éteintes encore, je me suis dit putain c'est encore le roi. Oh, je m'habite à les fermer souvent maintenant. Ouais, mais... En plus, toi, tu m'as fait peur, j'avais un mauvais pressentiment avec toi, JTP, je me suis barré quand je t'ai croisé au sas. Ah, mais je me suis dit que cette fois-ci, j'allais laisser le roi faire ce qu'il sait faire, puis juste être sage. J'ai un moment, juste avoir le premier report et puis c'est tout. Voilà, bonne game à tous. Et c'est reparti, messieurs, dames, directement sur les chapeaux de roue. J'ai mis un masque de tueur pour espérer faire un peu plus peur aux imposteurs. Et on est parti pour être full impôt ce soir, en tout cas, pour l'instant. Moi, je me blanque. Peux pas mourir, c'est bon. Magnifique. L'alerte est passée. Ah, de me suivre, Jay. Ok, c'est Mzel. La caméra a été coupée durant une petite seconde. Pas encore toi, Roeme. Quoique là, on va supposer qu'il soit pas un imposteur. Oh non, j'ai ça à faire. Oh non! Les manifolds! Quel enfer! Ah, c'est la task où vous vous suicidez. C'est cette task là. Vous la faites au point d'une alerte, vous êtes mort. Au début du game, bah. Non, on va pas mourir! Pourquoi c'est fermé aussi? Pas de mort. Ok. C'est marrant que j'ai croisé. Ah. Ma clé est là aussi. Donc c'est pas. Y'a pas de mort là-bas du coup. Ok. Y'a pas de mort en effet, je confirme. Ici ça me paraît clair et limpide, y'a personne. On va pas se coller, on va peut-être pas rentrer, bon, de toute façon. Si vous voulez me voir, on m'a déjà vu. Oh, j'ai eu si peur d'être mort. Ok. Ouais. Tu peux nous dire ce qui s'est passé? Ou tu cherches ta strat de self-report? Non. Là, c'est juste que je viens de croiser quelqu'un et en fait, il y a une chance sur deux qu'il ait fait le kill ou alors qu'il est passé dessus ou alors qu'il est passé totalement à côté. Et McLean, moi, je viens de te croiser, ouais. Ouais, j'ai... d'accord. T'es parti à gauche, c'est ça? Ouais. Ouais. Parce qu'en fait, si tu tournais à droite, il y avait un cadavre au plein milieu de la. Ah. Non, moi je suis tracé direct. Hein. Je suis sorti de. Je t'ai vu sortir de spécimen. Voilà, spécimen room. Et après, je suis parti directement sur la gauche pour aller en communication. Ouais. Après, moi je l'ai. Il était où le corps? McLean, je l'ai croisé au début. On était à laboratoire et on est parti ensemble à spécimen room. Moi j'en avais qu'une. Et du coup, j'ai tracé, je suis allé à Electric Hall et j'arrivais devant les caméras quand il y a eu le report. Moi, j'étais quasiment toute à la run avec Mamzel. C'était un peu ma meuf sûre de ce round-là, mais... Ouais, pareil avec Pix. Ouais. Ma meuf. Bah, c'est pas mon gars sûr, du coup, tu vois. C'est ma meuf sûre. Je les ai vus plusieurs fois. Ah, ça. Les câbles en haut à gauche, je les ai vus weapons. Ouais, je me demandais juste, qu'est-ce que tu foutais devant les câbles sans regarder les câbles? En fait, je regardais les cams, je suis assez loin pour les regarder en fait. Putain! Oui. Ouais, il fait ça. Oui, t'as pas besoin d'être collé dessus pour. Ouais, je me mets tout le temps le plus loin possible parce que si tu te colles vraiment aux cams et qu'on te tue, en fait, ton corps il est dans les cams et on les voit. Surtout quand t'es blanc. Et puis si j'ai un imposteur, tu peux saboter. Couleur cam. Mais ce qui est terrible, c'est qu'avec cette RNG là, j'ai tellement plus du tout envie de croire le roi ME quoi. Oui, non, mais. Au moins, on sait que c'est pas rouge et blanc. Voilà, non. On est safe une fois. Oui, après, j'ai croisé Camilo.
Alors, je l'ai croisé en sortant de Specimen Room, ouais. Dans la salle d'admin. Je suis allé voir, aller checker les vitals. J'ai vu qu'il y avait toujours tout le monde. Je suis reparti directement au niveau de l'électrical. J'avais une quête à faire dans la neige. Et donc, je sais que Camilo était là il y a peu de temps avant. Et j'en venais, c'est simple. Je suis allé faire les vitals. Je suis ressorti, j'ai fait mon labyrinthe. Je suis arrivé devant la porte de sécurité et le report. Bah, c'est pas compliqué. Arten, c'est pas compliqué. C'est pas compliqué. Arten, tu m'as croisé à l'entrée. J'ai fait une task à Specimen et à la sortie, je croise Pixel. Oui, je t'ai croisé à Specimen. Bah, tu m'as croisé quand j'entrais. Enfin, quand j'allais à Specimen, tu m'as croisé. Toi, tu sortais. Ouais, je t'ai croisé à Admin, ouais. Et ouais, voilà. Et moi, j'ai fait tout le tour de Specimen. Voilà, j'ai fait une task là-bas. Je suis remonté par labo et à laboratoire avant que ça reporte le corps. J'ai croisé Pixel. Et McLean, tu l'as vu, Camilo, en spécimen ? Non, moi, j'ai pas le souvenir d'avoir croisé. Parce que techniquement, t'étais censé y être, ouais. En spécimen room. Oui, il vient d'en sortir, ouais. Je l'ai vu sortir. Donc ouais. Ça veut dire que Camilo, il a pris le spécimen room, mais il a croisé personne ? Bah, moi, j'ai croisé, non, j'ai fait le task. Moi, j'ai croisé. Moi, j'ai croisé Camilo sortir, hein, par contre. Ouais. À la beau. Le cadavre, il est... T'es sûr qu'il était McLean, à spécimen ? Oui, oui, il y était. Oh, ouais, je faisais la... C'est dégueulasse, 1, 2, 3, 4, 5, 7, 9, 10. Ouais, je l'ai faite aussi, c'est étrange. Mais t'as vu qu'on s'est pas bien. T'as mis que ça arrive. Ouais, bah ouais, je pense aussi. Y'a pas de timing avec moi, les gars. Je vais pas vous croire. C'est quand même gros, il est passé, il m'a pas vu. Merde, la map. Je suis passé. Ah non, j'ai déjà coupé la map, je suis con, c'est la mienne. Ah non, c'est celle-là. Putain, je suis vraiment débile, moi. Je suis vraiment full débile. C'est la map du jeu. Un petit peu gros, quand même, tout ça. Artendras, ouais. J'ai un peu confiance en lui. Ok. Apparemment, si on macro ça, on peut aller plus vite. C'est en bas. Voilà. Pas de mort au scanner. Pixel qui est encore là, Roemuk qui est encore. Roemuk AFK, d'accord. On va speedrun la task. Et oh merde. Ah Ah non mais c'est affreux, je viens de le voir. Alors moi on est 5 dans cette zone, c'est un bordel. Alors il y a Mademoiselle sûre. Et il y en avait un autre à côté, putain, je sais pas qui c'est, les deux le corps à côté du j'ai corps. J'ai si peur. Mais attends, moi j'étais à décontamination, j'y suis arrivé, je faisais ma tasse, Pixel en sortait et il est direct le report. Il est où le corps? Il est juste à la sortie au laboratoire. Ouais, et purée, il y avait moi, toi, Jay, Mademoiselle et du coup Pixel. Bah ça va m'accuser, mais j'en suis sorti il y a... Enfin, j'ai fait mon scanner et... C'est... Ouais, c'est où... Oh, j'ai c'est où les fils ou moi, celle là. Oh, merde. Mais le corps vient de tomber devant nous, là, clairement, donc... Alors, Maclay, je viens de me voir arriver dans le laboratoire, c'est sûr. Il était à l'électricole, il a remis le courant avec moi. Ouais, j'étais en train de faire mon scanner pendant... Maclay. Ok, ouais. J'étais en train de faire mon scanner pendant... J'allais au laboratoire pour faire les fils électriques. Et quand je suis arrivé dans la pièce, il y avait le corps et ouais, violet, vert, foncé. Non, violet n'est pas là. Il vient de dire qu'il n'est pas là. Il n'est pas de spécimen parce que j'en viens et j'ai pas vu la porte s'ouvrir après moi. C'est moi qui viens. Alors, c'est pas violet. Vert foncé, sûr, parce que le skin du militaire. Après, l'autre, j'ai pas bien vu. Mais. Oh la mine, j'ai marché sur une mine. Entre vous trois, neuf, McLean. Au début, j'étais au niveau de Vitals et de Admin. Ouais, et puis je suis remonté vers labo. Oh, j'ai fait un on bon putain. À côté de Camilo, il était au milieu du couloir, je sais pas ce qu'il faisait. C'est lui qui faisait ça en sortant d'Admin. Quel menteur. En sortant d'Admin, alors... Au tout début de la run. Enfin, j'ai fait les fils qu'il y avait dans le coin, là, complètement à gauche d'Admin. Ouais, et puis après, ouais. Alors pourquoi je t'ai vu sortir et je t'ai mis te mettre devant le labyrinthe? Ah oui, il y avait le labyrinthe aussi, oui c'est vrai, pardon, autant pour moi. Mais ça fait un moment quoi en fait. C'est au tout début de la run en fait, t'es sorti, tu l'as fait en premier. Oui, et puis après je suis retourné à Office et à Admin. Ok, parce que je suis allé à laboratoire, j'ai voulu voir si jamais j'étais isolé, tu me sautais dessus. Je me suis approché de la veine, j'ai vu qu'il y avait personne et je suis redescendu en bas, je te trouvais plus en fait. Ah non, mais j'étais vraiment à Admin par contre, sur la table d'Admin en train de regarder. Voilà.
Là, par contre, il va falloir y demander quelqu'un. Ah ouais, la vidéo, mais... Moi, j'ai tellement pas l'info, j'étais du mauvais côté de la porte. Par contre, moi, le... oui, c'est ça, en fait, le corps est tombé devant nous, mais moi, j'ai été surprise, j'ai même pas eu le temps de report, en fait. Le corps est pile poil dans la petite pièce, juste devant la première porte pour rentrer dans... Mais oui, mais c'est littéralement... À part Nefertaine, on est tous là, quoi. C'est juste ça. Je l'ai vu, une demi-seconde plus tard, il y a eu le report, c'est quand même incroyable, quoi. J'ai croisé ma clé qui est rentrée, moi, je suis parti de la s'il vient d'être fait, c'est pas moi. Donc, sûr, entre nous quatre, il y en a un. Par contre, pour Camille, je l'ai pas vu partir à droite, moi. Ah, t'es sûr, partout. Mais tu te calmes. Putain, parce que je l'ai pas croisé, alors à part s'il faut faire quelque chose, hein. Secondes, ouais. Je sais pas. Je sais pas. Vous êtes pas concerté. J'espère qu'on s'est. Oh non. Oh là 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 là. J'ai deux votes pour moi, hein. C'est droit. Ça fait j'espère deux fois. Ouais. Oh non. Incroyable. C'est beau ce qu'ils ont fait. Putain, mais je joue bien les un peu, hein, vraiment. Ah, moi je voulais m'amuser et tout. Va falloir travailler ce soir, ça va être chiant. Ah ouais. Ça va être drôle en vrai, mais bon. Va falloir revoir comme. Incroyable. Pourquoi j'ai arrêté ça? Ça ne pas passer. Oh, tu me fais tellement peur. Mais comment t'as réussi à me tuer? Je t'ai vu rentrer dans la vente, je me suis dit putain, il est parti de quel côté? Je t'ai suivi et puis là j'ai vu qu'il y avait des gens, j'étais là. Bon, je vais attendre sagement. Oui, parce que t'avais vu qu'ils étaient deux laboratoires, je voulais débloquer les qu'on revienne. On a mis trop de temps. Il y a du monde qui est arrivé au milieu. Donc, mais c'est taré cardiaque. Mais non, mais mec, je bosse sur la vente en mode je fais une tarée cardiaque. Elle sort et me dit rentre. J'ai fait trop. J'ai eu trop peur. Le plus scandaleux, c'est qu'elle est abusée, personne n'a vu ton corps. Mais moi, j'ai tué Pix au milieu de McLean et de Jack. Mais ouais. Non, Jack, tu peux pas voir. Non, Jack, tu peux pas voir. Non, la porte se ferme. Mais. La porte s'est ouverte en fait au moment où tu. Eh, on a joué ensemble deux games là, tu m'as trahi dès le début là. Je suis désolé. Et si on appliquait la règle qui fait qu'au bout du quatrième tour, si le roi est toujours en vie, on l'élimine parce que là, t'as juste du premier tour là. Ouais, mais non. Et si on appliquait une règle que quand McLean trouve un corps, il est innocent, le pauvre. C'est bon, je suis le bouclier mystère là de toutes les games. Mais le pire, ça fait deux fois que tu reportes un corps au lab et que tu te fais sauter. C'est vraiment. Je suis désolé pour la vie qui t'est réservée dans le. Ne reporte plus les corps lab, écoute. C'est clair, je reporte plus. C'est les imposteurs qui t'ont tué. C'est là, mec, je suis là pour faire la bouche. C'est les imposteurs qui t'ont tué, parce qu'on t'a pas voté pour toi. Gel. Oh, c'est trop marrant, putain. Bon, bah, ouais, voilà. Un peu dégoûté du coup de cette partie. Bon, ça finit bien pour eux, après. Ils jouent vraiment, ils jouent très très bien. C'est... Là-dessus, ils ont couché tout le monde. Hein. Ça va encore couper les lights. Ok, la com, je vais tout de suite à côté. On va garder cet argument là de vue. Personne n'est allé à part moi, personne n'est allé à com et rouge. Donc si jamais je demande qui a fait les com, ça pourra m'appuyer. Je vais jeter un coup d'œil vite fait, même s'il devrait pas. On se casse. C'est bon. Oh non, vraiment. Veux pas mourir. S'il vous plaît. Ah! What, il est disparu? Faut que j'aille le buzzer, il est disparu. Attends, je veux clarifier un truc là. Vas-y. Rouge, t'es passé où? Quoi? J'ai dit bite, t'es passé où? Bah, je suis à gauche depuis le début. En gros, je t'ai vu. Je suis devant Pixel.
Non, parce que je t'ai vu à Security, il y a littéralement une seconde, enfin avant que la lettre se coupe, je sors pour faire une quête à Storage, les lumières se coupent, je fais demi-tour, je vais au light, il y avait déjà, c'était Jay, je crois, je sais plus qui était au light, qui était en train de faire déjà, on se fait enfermer, du coup je me dis t'es forcément encore à Security, et t'es plus là, t'es totalement disparu, la porte elle est fermée et t'es plus là en fait. T'es passé où? Genre ça veut dire que... Attends, là, j'arrive pas à comprendre à quel moment tu m'as vu disparaître, parce que j'ai été sécurité à un moment, ouais, puis après je suis descendu au 2. Au 2 je t'ai croisé, ouais. Voilà, j'ai croisé Jay, je suis allé au truc là de bouteille, mm-hmm. Et après je suis parti à l'extérieur, j'ai croisé Pixel devant... communication, ouais, je crois que c'est ça. C'est ça. Ok, c'est vrai que t'as un timing. En fait, le timing, il est nickel parce que, en gros, je te vois à Security, je sors de Security en me disant, bon, c'est bon, il y est, du coup, je me casse. Je fais même pas une demi-task, les lumières se coupent. Je me dis, bah, du coup, soit il est encore aux caméras, auquel cas il va rester dedans, il verra pas qu'il fait noir. Soit il est sorti des caméras. J'y suis resté 5 secondes aux caméras, j'ai regardé un petit peu. Bah, j'ai eu le temps de venir, de me regarder où t'étais, de devoir et partir, quoi. Et je me suis dit, bah, à tous les coups, du coup, il va refaire les lights, c'est lui qui va les remettre. Et bah, non, t'y étais pas. Je me dis, mais non, il y a les lights qui ont été éteintes, moi je suis allé au 2. Ok, bon, d'accord, ok, admettons. C'était bizarre, ça m'a vu. Je me suis dit, mais c'est pareil en fait, les portes sont fermées, t'es pas aux lights, t'es plus sécurité. Ouais, mais en plus, y'a même pas de kill, donc. Non, mais je me suis dit, tu t'es évaporé pour essayer de faire un kill et t'avais qu'il y avait du monde, quoi. Non, c'est juste que les lights, il y a beaucoup de moments où je les fais pas. Arten. Oui. C'est mon bro, viens ce. Oui. Ah, ça fait des scanners apparemment. Bon, ouais, c'est pas grave, j'ai besoin un peu pour rien. Mais bon, c'est pas très grave. C'était bizarre, hein, bêche. Admettez au moins que c'était bizarre. Offrez-moi au moins le bénéfice du doute, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Que je sois pas totalement con. J'avais peur. Bon, du coup j'ai plus de buzz par contre, ça c'était la conséquence stupide de mon action. Du coup j'ai plus de buzz. Bon ça va, j'aurais terminé mes tasks. What? Ah c'est là-bas. Hey, comment tu vas, Nizel? Report des corps. Non. Ok, mais toi, ça va super, merci beaucoup. En grande forme, comme toujours, tout va bien, je suis en grande forme. On est sur Among Us, je m'éclate, c'est trop bien. Ah oui, tu m'étonnes mec, tu dois être crevé, tu m'étonnes. What? Ah putain, il est mort là. Il y a d'autres gens peut-être? Je sais pas. Ah, je viens de le voir au cas. Ouais, ok. J'ai pas vu en live, mais je viens de tomber sur la cam en montant et tout. Il est où le corps? Il est sur une des cams du coup, vous êtes où vous? Bah, j'ai fait un petit call là où il y avait 45 000 personnes pour réparer les lights, quoi. Il y a Jay, GPT, Nef, ouais. J'étais boiler room pas mal de temps avec Mamzelle et je crois que j'ai vu Camilo. Oui, Camilo est passé. Ouais, j'étais en bas à gauche avec vous, je surveillais qu'il n'y avait pas un des deux. Tu m'as collé les basques JTP par contre. Hein? Tu m'as collé toute la game, j'étais là, oh là là. Je t'ai collé toute la game? T'es arrivé après moi? Bah non, mais à Boiler Room, à partir de Boiler Room, tu m'as collé tout le temps. Genre, t'étais collé à moi. Parce qu'on tient un truc. Bah, peut-être que je montais vers Electrical cette fois-ci. Ouais. Alors, qui, dans l'ordre, est-ce que Roi t'étais au light? J'étais au light quand on les a rétablis. Non, t'étais au cam. Nef, t'es où? Ah ouais, j'étais au light et je suis au cam avec le roi. Pixel, tu es aussi? Non, je suis Vital. J'ai vu qu'il était mort. J'ai okay. Vu partir à droite. Ouais. JDP, t'es avec eux, j'imagine aussi, tu étais? Bah, je suis arrivé à la fin, oui, okay. Au light. MZ, tu es aussi, du coup, logiquement? Oui, enfin, je suis en dessous, je suis pas encore arrivé à Electrical, moi. J'ai vu que c'était déjà réparé, du coup, je suis redescendu à O2. Jay?
Bah, j'étais au light, mais pareil, j'ai commencé à en sortir parce qu'il a été réparé. De toute façon, tant que vous, si vous l'avez vu, vous dites okay. Arten, tu étais aussi, du coup, j'imagine. Oui, j'étais donc, juste derrière DJ, j'arrivais au niveau de la sécurité. C'est entre Neff et moi, quoi, du coup. Pixel, ok, d'accord. On était deux à pâteau. Entre Neff et toi. Ça se voit, le light. Non, mais je m'en mêle. Je connais pas encore tout le monde. Ça peut être plutôt le kill aussi. Bah, au Vitals, tu l'as vu mourir avant, du coup. Parce que si t'es au Vitals, t'es juste à côté en soi. Parce qu'il est mort littéralement à gauche de office. À la porte de gauche. À gauche de office. Sur la caméra, en fait, avant d'arriver sur la caméra, là où il y a le corps, je voyais Pixel justement partir à droite. C'est ça. De office. Vers dans le triangle weapon, com et la porte d'office. Il est en plein milieu. Ça, donc, il a pu avoir fait. Bah, il a... Comme il a pu ne pas l'avoir fait. C'est... On est passé par là avec Mamzelle, non? Enfin, je te voyais. Ouais, moi je suis passé par là, toi par contre non, tu... Mais j'étais devant toi. T'étais... Désolé, mais je te voyais pas, moi, devant, donc désolé. Je t'ai vu dans Boiler Room, à partir de Boiler Room, c'est tout. Je t'ai pas vu moi, devant moi, par contre, désolé. Moi, je t'ai vu avant... J'ai peut-être pas la même vision que toi, fais attention. Non, mais il y avait pas les lights éteints, à ce moment-là. Bah non, il y avait pas les lights éteints, mais même, mais... tu as une plus grande vision, si tu veux. Oui, je sais, non mais... Bon, bah, du coup, en tous les cas, moi j'ai fini mes tasks. Je propose qu'on skip et qu'on s'amuse. Il m'en reste quelques-unes, moi, quand même. Je propose qu'on skip et qu'on hurry up. Allez, on va s'amuser. Mais bon, n'empêche que. Ouais, ok. Ouais. C'est un beau kill, en tout cas. J'ai apprécié la chose. Mec, trop chelou, tu sais. J'ai apprécié le kill. D'accord, ouais. Chiant. Relou. Voilà, on finit cette task là. Et on aura terminé. On va réparer la foreuse. Regardez, regardez où on est dans les tasks, les gars. On a que un mort. On est tellement bien. Oh, ça va double kill. Oh putain. Oh, alors là, les imposteurs sont en mode. Oh putain. Voilà, un mort. Boum. 2, 3, 4, 5. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24. Il est mort il y a précisément 25 secondes. Ok, je sais pas combien de temps, j'ai fait le tour retour avant d'aller report pour s'il n'y avait pas quelqu'un qui se planquait. Mais attends. Bah attends, t'étais où? Parce qu'on était ensemble il y a pas si longtemps que ça. Je crois... Je pense que j'en ai un. Ah, moi aussi, je pense. Dis où ce qui décore, voiture. Il est au niveau de l'arbre, juste devant l'arbre. Ah. Attends, c'est moi qui ai une notion du temps toute pourrie ou t'as fait le trajet super vite? T'as une notion du temps très pourrie parce que je suis passé par en haut en plus. Par en haut? Bah attends, oui, t'étais à Waypoints avec moi. Oui, j'étais à Waypoints avec toi, je venais de finir quand t'es arrivé. Ouais. Donc du coup, je me suis vite barré parce que j'ai un gros doute sur toi. Pardon ? Oui. Pourquoi ? Bah, je sais pas, mais la common task au début de la partie, elle était pas activée, elle était restée devant pendant un petit moment. Comment ça ? J'ai fait ma clé, quoi. Ok, d'accord, bon, on en a une. T'es passé par en haut, par où ? Il y a pas de clé. C'est qu'il y a pas de clé, cette... Il y a pas de clé. J'ai pas compris, mais ok. Ah, c'est un peu dommage, ouais, ça, du coup. Du coup, en fait, j'ai fait le tour... J'ai croisé le roi et Neff à l'électricole. Ouais. Je suis descendu et j'ai vu le report au moment où je suis passé dans OD. Justement, du coup, en fait, j'ai eu un petit problème. C'est que du coup, ma dernière quête à moi, c'était aux deux canisters. Donc je vais aux deux canisters et quand j'ai terminé, il y a les lights qui s'éteignent. Du coup, je remonte, j'ai les deux portes à ouvrir plus la porte d'électricole. Et au moment où j'ouvre la porte d'électricole et que je rétablis les lights, il y a Neff qui a pop sur moi. Ah bah, je venais de security, moi. Oui. Bah, il était en sécurité par contre, hein. Enfin, on était tous les deux en sécurité. Il y avait en effet un gars security bah, pendant que les mains. C'est moi. Ah, mais c'est vrai, oui. Il y avait... Je voyais JTP dans ses speakers. Hein. Oui. Oui, alors ah bah, ça, c'était GTP, toi. Oui. Et non, mais alors JTP, oui, moi je t'ai vu à l'entrée de laboratoire. Tu t'es arrêté, t'as regardé, t'es rentré, t'es ressorti, t'es re-rentré. Bah oui, parce que j'étais devant les câbles. Cette danse de la joie. D'accord. Ah, t'as une autre explication ou c'est simplement une danse de la joie comme moi qui fais des tours de Vayne sur certaines maps? Je le fais juste de temps en temps quand je vois la caméra allumée vu que je regarde jamais si les caméras sont allumées ou pas. Bon, c'est ça, un truc on a 60 secondes mais par contre ouais. Moi j'ai déjà... On n'est pas obligé de voter à 7 mais...
Je pense qu'on a quand même une idée. Mais... On a une info. Est-ce qu'on ignore et... Je ne sais pas, j'ai pas entendu. Il ne reste pas beaucoup de tasques, on peut essayer, mais si jamais il y a encore un kill, il faudra éjecter. Bof. Attendez. Ouais, on a 3 kills à faire. Ils ont 3 kills à faire, mais. On a 3 kills à faire aussi. Je crois qu'on a les deux. Bah écoute. Écoutez, moi j'ai terminé mes tasks. C'est pas un peu la grande fatigue chez les imposteurs là. Mais vous avez quand même voté. On bosse tout de suite pour le deuxième ou. Non. Laissez-le tenter d'un V6. Dis donc, on se stack tous à un endroit. On paraît que c'est moi qui meurs, les gars. Est-ce qu'on paraît que c'est moi qui meurs? Bah oui, forcément. Ce qu'ils savent pas, c'est que j'ai la vision d'ici. Ah, ils ont bougé. Ça, c'est vraiment pas nice. Bah oui. Bah voilà, du coup, c'est fini. Au revoir, GTP. C'est pour ça que tu dansais sous les câbles. C'est pour ça que tu dansais sous les câbles. Bon ben, pour un coup, je viens de voir GTP partir dans le cadavre. Non. Vu que j'allais vers le réacteur et il s'est éteint le réacteur. Du coup, je suis parti et j'ai continué mon chemin vers l'école. Bon, attends, ça va être simple. Arten, t'es réacteur de gauche. Je suis pas du tout, moi. Je suis en train de fermer. Moi, je suis. Comme j'ai vu qu'il y avait beaucoup de monde avec moi côté office. Des vannes. Du coup, je me suis dit que quelqu'un prendrait le côté droit du réacteur. Du coup, j'allais prendre le réacteur de gauche. Ouais. Et du coup, comme il s'est. Ça a été réglé avant que j'arrive, j'ai continué vers l'électrico. Donc, Nef a fait le réacteur de gauche, c'est ça? Ah non, moi, j'ai arrivé au réacteur de gauche. Au secours, qui a fait le réacteur de gauche? Pour moi, c'est le cadavre. Du coup. C'est possible. Il est où Camille? C'est la question. ça parle pas très bien à mort. Mais non, mais je fais pas les sur le réacteur de gauche. Sans doute. Oui, oui. Ça peut pas être. Ah, donc, voilà. Ça peut pas être Pix, pardon. Ouais. Moi, je suis Vaito. Tu avec tes langues fourchées, toi, Pix. Tu as pas eu de faire sortir. Non, mais j'ai failli. C'est entre JTP et moi, et tu viens de me voir partir et il vient de me voir arriver. Ouais. Enfin, non, je t'ai pas vu arriver. Moi je suis à l'électricole. Non. T'es sur le réacteur de gauche. Enfin, j'aimerais quand même comprendre pourquoi JTP danse comme ça devant la cam. C'est un phénomène que vous avez déjà observé précédemment Ah ouais, il y en a plein qui le font. Ouais, je le fais. C'est trop drôle. Tu fais tes best moves. Est-ce que c'est choquant? Bah c'est ta parade nuptiale. Bah t'es le seul que j'ai vu le faire jusqu'à présent. Donc oui, pour moi, t'es le premier. Franchement, je l'ai déjà fait plusieurs fois, mais comme je te dis, comme je remarque jamais si les caméras sont allumées ou éteintes, quand je le remarque, je le fais. Comme t'es pas très habillé, c'est choquant. Enfin. Ouais. Du coup. Soit Nef, soit JTP, c'est un des deux. Qui reste des quêtes? Moi j'ai fini. Je suis en train de faire les vannes. Ah oui, mais toi aussi. Encore. Eh oui, j'ai dû faire le détour pour toi parce que tu voulais pas rester tout seul. J'ai dû t'accompagner à Specimen Room. Tu veux pas. J'ai rien à faire là-bas. Ouais, bon écoute. Oh putain, merde, j'ai. N'empêche, je skippais. N'empêche, je suis gros match, il y a personne qui a pensé à me tuer. J'apprécie. C'était pas encore dans les 4 derniers. Tu aurais pu me tuer 40 mais fois. Mais j'y arrivais. J'aurais pu en tuer plein de fois aussi. Bon, j'y arriverai. Et c'était bien JTP qui avait une grande vue. Mais voilà. Oui. Et en gros, en fait, j'ai passé sur le cadavre que je venais de faire. Ah, sérieux? Oui. Pas vu, du coup, en fait, moi j'étais sûr que tu voulais me report et que tu te foutais un peu de ma gueule en boiler room avant de. Enfin, je sais pas. Vu que tu savais que j'avais un coup de. Mais j'ai même pas eu le bouton report qui s'est allumé ni rien. Je veux bien que vous m'expliquiez parce que moi je suis deck parce que cette histoire de common task on m'a jamais expliqué donc je me suis niqué sur un truc que je connais pas. Les clés en haut à droite. Sur cette map, il y a deux common tasks différentes. Il y a les clés.
donc les clés qui sont dans le... Oui, non, mais ça je vois, ok, mais... Donc si, en fait, si personne l'a, enfin, si un crewmate l'a, tout le monde les a, en fait. Et vu que nous, en tant que crewmate, on les avait pas, et le fait que toi, t'es dit que tu les avais, bon, ça va que... Ah, mais c'est sale. Ouais, en fait, tu dois le, ouais, le savoir avec en haut à gauche, le nom de ta... Bah ouais, bah faut le savoir, quoi, je suis dégoûté. Parce que j'étais pas suspecté du tout, mais en même temps, j'ai eu des occasions de kill, mais... Enfin, si, depuis le début, on savait que t'étais un imposteur, quoi. Enfin, moi, je le savais, quoi. Ah, mais super. Bah, je le saurai pour la prochaine fois, mais c'est cool de se faire niquer sur des trucs où t'es même pas au courant, quoi. Il y a ça, et... T'aurais voilà. Je sais plus si c'est le carte swipe. Mais bon, les gars. C'est le carte swipe. Non, non, c'est le patch. Le badge, ça c'est sûr. De toute façon, non, ici, il y en a que 3 ici, c'est les clés au début, le QR code et la carte. Ah, et de la carte aussi ? Ouais, la carte, la carte à scan, le QR code à retourner et... Non, la carte alors, à scan, alors, c'est que dans la par première contre, map. Hein. Par contre, le, non, non, au Paulus, début... Sur Paulus, ici, là, il y en a 3. L'accusation au début, là, par rapport à mon chemin que j'avais parcouru, j'ai utilisé aucune veine de la partie, hein. J'ai parcouru normalement le terrain, donc je n'ai pas compris l'accusation de, du premier vote. Enfin, du premier buzz. Je lance et... D'accord, il y a... Je suis même pas sûr, mais à ce qui paraît, les fils, c'est aussi une command task. Ouais, pour The Scale, ouais, c'est le cas. Mais, ah, sur Scale uniquement, d'accord, parce que sur Polus, je suis pas sûr. Gel. Bien. Bon, bah voilà. Désolé, ça a été un gros travail d'image bien dégueulasse que j'ai fait, là, pendant 5 minutes. La porte s'est verrouillée ici, on est d'accord. Ah non, j'aurais juré. Bon, j'ai juste un coup de light. Ah, les portes ferment au light. Donc l'imposteur, je pense qu'il s'est planqué là-dedans. Donc on va pas y aller. J'ai pas vraiment envie d'y aller. On va passer par en bas plutôt. Mais j'ai... Ah, j'avais pas accès à la tasse, c'est bizarre. Bon, cette fois-ci, on est d'accord, il y avait bien la tasse de la clé. Oui. Oui, oui. Enfin. Ah bon ? Merde ! Du coup, j'ai trouvé Pix dans Weapon. Ok. Oh, ouais, le stream. Après, moi, j'avais pas de... Je viens d'avoir une idée, les gars. Je suis quand même rentré vérifier s'il y avait pas de cadavre. Je viens d'avoir une idée de malade. Le cadavre, il était au niveau de... Je sais pas si c'est un download. Moi, ouais, je crois que c'est un download. Vous avez pas... Ou alors des câbles. Vous... Ouais. T'étais AFK ? Oui, il était AFK, je suis retourné en arrière pour voir, il était toujours dans le truc de spawn, je me suis dit bon ça va, il s'est pas fait kill au moins. J'ai eu un problème technique. Ouais. Oublié. Il y avait qui avec Alors moi j'ai... Pour les lights. Ça rend les lights bien. C'était moi. Ça rend ouais. Trop bien, on est d'accord. Alors j'ai l'impression qu'il y avait quasiment tout le monde côté gauche après, parce que je suis parti labo. Enfin, très rapidement, vu que j'avais juste le truc de la fusée ça à faire, moi, je suis ressorti, je suis passé par l'extérieur côté droit, côté magma, je suis passé office, et après j'ai continué vers weapons, et j'ai croisé personne. C'est vrai qu'il y avait plein de gens à gauche. Ouais. Mmh. Ouais. Donc il y a 2 kills et on a 0 info, c'est super. Ouais, et quelqu'un sait où est le deuxième kill à peu près ou... Je l'ai pas croisé. Bah, je sais qu'il est pas. Il est... Je pense pas qu'il soit O2 ni security parce que je viens de faire un tour. Non, O2 non, parce que j'y étais. Au moment ouais, du report, il est, pas, il est pas security, il est pas Elec non plus. Je viens de faire un tour. J'ai commencé par O2 et je l'ai pas croisé. Donc il doit être seul tout à droite peut-être. Peut-être Vitals, même parti voir Annie. Ou alors Weapons, je suis juste entré. Non, je pense pas qu'il soit au bout de Weapons, genre au niveau de l'écran. Mais ou alors il est électrique aux caméras et c'est Camilo qui ment. Oui, c'est possible, mais je pense surtout qu'il est pas venu au light et qu'il est parti à Admin Vitals, c'est pas un mort et qu'il est tombé sur un... Non, Admin Vitals, j'y suis, il y a personne là. Okay. Enfin, Admin, je viens d'arriver sur Admin. Vitals, j'ai vu qu'il était mort depuis un moment, Rten. Okay. Il a dû mourir pendant les lights, je crois, un truc comme ça. Ok, d'accord. Mais Pixel est pas mort en même temps qu'Arten, c'est ça ? Non, on l'a pas trouvé avant. Bah, je sais pas. Bah, visiblement, selon elle, Arten, il est mort depuis longtemps, quoi. Ouais. Enfin, là, difficile de confirmer quelque chose. Ah, on est d'accord. Ah, mais... Premier round. Je pense, ouais. Je pense que c'est Pixel, moi. Mais bon. Quoi ? C'est
C'est forcément lui. Ouais, puis tu l'as tué Arthedras et après il s'est suicidé. Romeo et Juliette, ils ont voulu faire un remake. C'est un crime passionnel. Tranquille. Mais ce jeu, j'adore. À chaque fois qu'on reporte un corps, je suis en mode, tu sais, comme Horace Kane, je me mets dans le soleil, je fais homicide ou suicide. Ça me rend tellement. Tu te prends tellement pour un Jean-Denis inspecteur de la police avec ce jeu, c'est trop marrant. Moi, ça me fait rire. Vraiment, ce jeu, il est d'une détente. C'est pas possible d'être énervé sur ce jeu. Enfin, si, j'ai jamais vu des mecs. J'ai jamais vu des mecs rage kit. Mais genre d'énervement, vraiment pas à cause de genre. Il est mort en premier trois fois d'affilée. Ou alors il était un pot, il s'est fait tuer à la dernière seconde ou quoi. Non, vraiment des mecs. Oh, mais putain, mais vous cassez l'écho et tout. C'est à gauche. Ah, c'est là, ouais, c'est à gauche. Là, putain, vous cassez les couilles. On peut jamais jouer et tout. Alors qu'en vrai, l'ambiance est cool, tu vois. Et t'as des gens des fois qui sont vraiment putain, ça fait chier et tout. Putain, les mecs, c'est vraiment tout le temps énervé quoi. Même sur mon gosse, il s'énerve. Tu dis ces mecs là, tu les mets sur LOL, mais. Mais ils jouent pas en fait. Juste. Tu les mets sur CSGO, enfin, moi, je suis LOL, ils explosent. Et à un moment, ils pètent. Moi j'ai les deux nodes à faire. Trois gars élec. Labo ? C'est mieux que, d'accord. Donc je sais où est le corps. I'm fast as fuck boy. Il est aux deux. Ou alors il est dehors et je le vois pas sur les amis. Ah, ok. Ok, il est mort avant les alarmes. C'est-à-dire il est mort avant le réacteur. Il est mort avant les réacteurs, ouais. D'accord. Il est où? Il y avait trois gars. Il y avait trois gars à O2, il est à O2. Il est sur les canisters. Donc les. Il est au 2. Je suis passé à O2, je l'ai même pas vu. J'ai vu Nefris qui était au niveau de la poubelle. J'avais vu le roi au niveau du. Putain, alors, attends, j'essaie de zoomer, je sais pas si c'est un download ou des fils. Pendant que j'étais en train de faire ma quête O2. Et du coup, moi je suis redescendu voir s'il y avait pas de kill. J'ai croisé toujours Nefris. Ah oui, ouais, c'est vrai, enfin j'ai croisé énormément de temps devant la poubelle. La poubelle, genre, la poubelle de genre à côté d'O2. Juste à côté du mort en plus. En tout cas, c'est pas de G. Et du coup, t'étais toujours là. Je suis parti par en bas. Et après, je suis monté. Ouais, faire t'es monté et là, tu m'as croisé à ce moment-là. Et j'ai croisé McLean aussi à ce moment-là. On est parti. Mais moi, je te voyais genre toujours au même emplacement. Donc, alors, à moins que ce soit un bug, encore une fois. Voilà. J'étais à Vitals et Amine et j'ai vu qu'il y avait justement Blanc qui était mort. J'ai regardé sur Amine, il y avait un gars à security, un gars à laboratory, trois gars à O2. Donc je me suis dit bah à tous les coups il doit être labo. Les alarmes ont commencé à sonner, je suis parti vers le réacteur de droite en me disant je vais aller voir à labo au passage. J'ai croisé Jack qui sortait de labo, donc je sais que c'est pas elle sur ce kill là. Du coup je dis bon bah s'il est pas labo il doit forcément être O2 security. J'ai fait security, il est pas là-bas et je suis allé voir O2, il est dans les canisters. Donc c'est un de vous trois, c'est un des trois qui était là-bas. Du coup, il y avait Mamzelle, il y avait Nefris en fait, et moi. J'ai check Boiler Room, mais j'ai pas check le truc O2 à côté. Donc, il est le truc O2 à côté, je présume, avec la bonbonne. Ouais, il y a un écho, c'est Jay. Je pense que c'est Nefris pour le coup. S'il était FK devant O2 à attendre une occasion de prendre un kill. Mais après, alors moi, je suis pas certain après, hein, parce que j'ai déjà vu les situations comme ça. J'ai fait ma belle feuille là, et après, je suis sorti. Ouais, c'est Jack qui a l'écho. Bougé directement. Ah ouais. Je galère toujours parce qu'il y a un tout petit pixel pour se mettre sur la bonne le bon point. À chaque fois, je suis 3 à droite ou 3 à gauche pour appuyer sur lui. J'ai regardé cette place. Mais je suis pas resté 3 points quoi. Moi, il était plus là. Moi, je sais pas. Je pense que si on vote mal, on est dans la merde. Après, je sais pas pourquoi j'ai un pressentiment que tu veux mettre dans ta botte, mademoiselle. J'ai vu checker Waypoint. J'ai pas de preuve. Et je t'ai pas vu à O2. Qui ça, moi? Ouais. On s'est croisé à Weapons, tout à fait. Tu sortais de Weapons, je suis rentré Weapons pour vérifier qu'il n'y avait pas de kill dans Weapons. Je t'ai suivi à un certain moment, justement.
t'as été vers O2 à ce moment-là, genre là, et vers la poubelle. Ah ouais, pour faut voter quelque chose. Hein. Moi je vais rester sur violet. Moi je suis pas sûr, moi je pense que c'est un mauvais choix. Bah, dans tous les cas, si on a pas de preuve. Ah, le double qui. Oh, le double vote sur moi. Qui t'a pas voté? Qui m'a voté là aussi? Ouais, pas voté. Bah, moi j'aurais dû te voter, ouais. Celui qui n'a pas voté a un peu ruiné. C'est moi. Bah, bravo. T'es une mauvaise personne. Tu es le troisième imposteur si tu n'es pas déjà un imposteur. Putain, par contre, pas voter, ça fait tellement la gamme en l'air. Oh merde. Parce que là, du coup, bah. Ils vont se faire patatras. Je vais buse en vrai. Hein. Mais putain, vous allez jamais laisser me remplir ma putain d'essence. Non, il y a corps de impôts, c'est mort. Je suis quasiment sûr que le double vote sur moi, c'est les deux imposteurs. Moi, Alors moi, j'ai voté Fritz et je suis pas impostrice, donc t'as raison les conclusions qui s'imposent. Moi, je vois bien le duo Camille ou Mamzelle. Je sais pas. J'ai zéro info en vrai, donc franchement, là je suis j'aurais juste pas buzzé en fait, au contraire. Je me serais barré. Au contraire. Tendance à te suspecter parce que tu. Putain, j'ai oublié de mettre des mute, putain. J'ai pas de. Je sais pas. J'ai juste zéro. La clé, je sais pas croiser. Quelqu'un nous laisse tranquille, hein, il a pris assez cher depuis le début. Non, mais de toute façon, il va falloir voter quelqu'un entre Nefris, Mamzelle et moi. Et du coup, au début, je disais, JTP, que c'est fort probable que ce soit les deux imposteurs qui aient voté pour toi, en fait. Parce que, enfin, même si t'aurais pu faire le kill aussi quand je t'ai croisé, enfin, je sais pas, je te sens pas trop imposteur. C'est les Fire, on est déjà 10, désolé. C'est une soirée, on va dire, c'est une soirée privilégiée. Voilà, moi, j'ai un mauvais Oui, bah, moi, je voulais, pour être franc, je t'aurais voté, donc il y aurait eu égalité déjà, quand même. J'ai réussi à caser Porat à l'instant. Je sais pas, j'ai un très mauvais pressentiment sur toi. Après, là, par contre, je vais pas être d'accord parce que t'accuses Nefris quand même pas mal en disant oui, il est resté à tel endroit. Justement, j'ai trouvé ça étrange qu'il soit toujours devant la poubelle. Ouais, enfin bon, tu t'éparpilles un petit peu. Mais je sais pas. Mais ouais, bon. Je sais pas, moi je suis resté sur ce pressentiment alors. Ah, vite les autres peut-être. C'est tendu là, parce qu'en vrai on a zéro info, il faut voter, mais on a zéro info. Ah, ouais, en tout cas, Jay, je la pense vraiment safe. Le Tonnerre, moi je suis tellement une mauvaise impostrice que je suis cramé direct. Mais tu sais, les kills sont apparemment. Dans tous les cas, les impostars rêvent pas à synchro. Est-ce que t'as fait la clé? Tout va bien. On l'a dit tour 1, c'est bon. Ça, c'est ok. C'est même moi qui l'ai dit. Mais c'est bon, il y avait la clé. Même si moi, je l'ai pas faite. Non, je sais pas qui c'est. Et McLean, dans le round précédent, t'étais où quand nous, on est accusés aux deux? Très rapidement. Je me rappelle plus trop. Je me rappelle plus trop du trajet que j'ai fait. Même si il reste 40 secondes et... Moi je reste focus sur les frises hein, pour le coup. Ah non. T'arrives pas à me convaincre, je suis désolé, t'arrives pas à me convaincre. Ouais, mais... Par contre, au niveau de tasks, comment on est où? Niveau de tasks, il me reste une essence et l'eau 2, donc il me reste deux tasks. Il m'en reste une. Maintenant du coup on s'est voté sur votre tuer, nickel. Il m'en reste une à Specimen Room. Il m'en resterait plus que zéro si on m'interrompait pas à chaque fois quand je faisais mon essence, mais... Moi j'ai vu en plus, t'as eu les portes qui se sont fermées devant ton nez! Au bout du zèbre! En vrai, y'a pas de kill, Mzel dit qu'elle arrive pas à s'imposer dans la game. On va voter Mzel, parce que si jamais c'est pas elle. Putain, c'est cool d'avoir buzzé pour ça! Qui c'est qui a pas voté encore? Je sais pas, mais c'est chiant! Bah, tous les coups, c'est un impôt qui ça l'arrange forcément. Mais ouais, ça fout la merde ça! Et moi qui skip, pardon! En fait, là, le problème, c'est qu'il y a un imposteur qui n'arrive pas à s'imposer dans sa partie, qui n'arrive pas à prendre de kill. Donc, du coup, Ouais, voilà, il y a les trucs. Oh là là. Oh là là. Oh, quel enfer. Oh, je suis si mort, Nefris va me tuer. Non, me tue pas. S'il vous plaît, non. Non. J'avais bon, mais chier. J'avais beau son Nefris, fais chier. Bah ouais les gars, le chrono, allô.
Ah, dans ce cas-là, c'est beau ce qui se passe. Je me disais bien qu'il y avait un bail chelou parce que j'étais sur le réacteur de droite pendant 1000 ans et je me dis, mais merde, mais allez-y, j'ai vu qu'on était 50 dessus. De droite, merde, mais elle est à gauche, j'enlève pour voir ce qui se passe et il y a le corps de Camilo dessus. Il y avait qui à côté de toi? Alors j'ai vu 1000 gens, il y a eu un gangbang sur ce réacteur, on était 34, mais. Moi j'étais pas sûr, je suis allé en bas au 2. Mademoiselle, elle n'y était pas, il me semble, parce que je l'ai vu partir à gauche. Non, moi je suis parti à gauche directement. Ouais, c'est une effraie, c'est du coup, ok. J'avais chopé les deux. Ouais, bah il y a forcément quelqu'un qui bullshit là en fait. Moi je suis assez spécial main room. Et je vais en train de remonter en spammant le R pour report si je trouve un corps. Ok, ouais, je t'ai vu partir spécimen. Et ma clé, t'es où? Moi j'étais à O2. Je suis descendu pour finir mes quêtes, donc les poubelles qu'il y a dans la petite salle avant O2. Et après les deux bouteilles d'oxygène. Et là je remontais pour le réacteur, puis je voyais que ça, le temps ne coulait pas. C'était mes deux dernières quêtes, là j'en ai plus. Et là je remontais, j'étais en train de déverrouiller la porte, le corps il a été reporté. Ah bon, là, faut faire quelque chose, il faut que j'arrête quand je pense que je fais rien. Non, mais moi, je reste sur mon avis, là, je pense. Moi, j'étais sur Nefris, de base. Parce que j'ai vraiment l'impression que les deux imposteurs me votent à chaque fois. Après, c'est voilà, quoi ton avis, j'ai pisé? Parce que j'ai pas bien compris. Je suis resté sur Mamzal. Oui, il reste sur moi depuis tout à l'heure. Non, mais ça soit, mais le deuxième, selon toi, c'est qui? Entre Nefris et McLean, franchement, je ne sais pas. Moi, j'ai l'impression que t'es safe, mais après voilà, j'ai aucune preuve non plus. Là j'ai l'impression qu'on va voter de façon de manière aléatoire. Je l'ai vu partir sur le réacteur de droite, du coup je me suis dit ok c'est bon, elle est entourée de deux autres personnes, je vais aller de l'autre côté. Et voilà, on peut pas tenter, le problème c'est qu'on peut pas tenter de faire les quêtes, finir les quêtes. Personnellement j'ai fini mes quêtes. En fait j'ai rempli mon bidon avant d'aller finir vu qu'on a le temps et ça reporte à ce moment là. En tout cas c'est pas Mamzelle qui a fait ce kill là, c'est sûr et certain, vu qu'elle est partie à gauche. Faut pas se rater parce que si on vote pas bien, c'est perdu. Ouais, il y a un multi-pick, j'ai pas vu. Après, j'ai dit que je vais partir spécimen, effectivement. Ouais. Du coup, bon, là, j'aurais quand même eu du mal à faire un kill, je pense, à moins que quelqu'un est venu spécimen. Moi, de base, j'étais sur Nefris, alors je votais Nefris. Et ne pas skip comme une grosse merde. Ouais. Oh, ça se trouve, putain, mais c'est impossible. Ouais. Troisième fois qu'ils font ça. Hein. Ils n'arrivent pas à trouver de leader. Avec tout ça, j'ai pas lancé mes tasks. Ils n'ont pas de leader de réunion en fait, du coup là. Bah du coup c'est perdu en fait. Ça dérange personne. Insupportable. Hein. Par contre en vrai j'ai rien avec mes tasks, j'ai pas fini du coup. Merde, j'ai raté. C'est pas mieux. Je suis en démute. Ouais. C'est énervé. En raison, dans tous les cas, je pense que j'aurais pas le temps d'arriver. J'ai raté 3 astéroïdes d'affilée. Putain. Des PS diamants sur Overwatch, pas foutu de faire 3 astéroïdes. Ah, ils vont à kill, c'est fini. Ouais, bien joué. Eh, Nefris, là, à un moment donné. C'est un sketch. En fait, Nefris, quand on était sur le stabilisateur de droite, je kill. C'était qui, Camilo? Et puis il y avait Jay, et tu t'es barré. Je me suis dit, mais tu l'as. Mais non, mais j'ai kill, j'avais mon cooldown du coup. Mais c'est pas possible parce alors que j'ai kill. Je confirme que c'est Violet qui m'a tué. Oh, là, non. Mais ah, ça a bugué, alors on a kill là. On a kill en même temps et ça a fait deux cooldowns. Ouais, parce que pareil, je m'étais salut, Corat. Salut. Salut, Corat. Faut changer de game du coup. Ouais, faut aller créer un lobby à 10. Je suis à un petit 4 30 secondes. Je t'en prie. Vous voulez passer sur Toscane ou pas du ça vous va toujours? Elle ne porte pas chance cette map là. Je préfère Polus parce que c'est plus. Elle est plus tricky parce qu'admin est moins OP, mais c'est vous qui voyez. Si les gens veulent changer de map, je comprends. Et en même temps, je suis invité de faire ma gueule. Ah non. Bah non, t'as ouais, mais tu nous fais passer fait à la télé. C'est ça l'intérêt. J'ai pas de bon regard, les gars. Attention. C'est sympa, je crée toujours des bugs, mais c'est cool. Attends, si tu veux, j'en crée une troisième. C'est le nouveau code? Je suis en train de mettre un. What? Du coup, dans l'onglet code. Et... Attends, mais c'est celui-là? C'est celui le GTF. Je suis avec. What? Ah, mais le code que t'avais avant, il est encore valable? Comment ça? Il y a quelqu'un qui a pas encore dit dedans? Hein. Peut-être, je sais pas qui c'est au CEOC. Bah, moi j'ai dit l'an dernier. C'est Nef qui est en AFK. Ah, non, je sais pas, ça se déplace. Il y avait un mec bizarre en jaune qui se déplaçait. Et Roi, l'image de ton Discord est
trop. Alors ça, c'est un copain à moi qui me l'a dessiné. C'est... Il est pas là ce soir. Il m'a fait le moi. DMB, c'est trop chou. Voilà. Non, c'est un job. Ah, ok. Je lui ferai savoir que tu es admiratif de son talent. C'est de la merde. Ferme ta gueule. Je suis un gros bâtard, salut. Un peu. Tu peux essayer de s'y croire encore, ok. Donc on a encore sur Paulus, donc il faut que je me souvienne que tout le monde n'a pas forcément la clé. Voilà, c'est ça. Clé, bien, j'ai appris quelque chose ce soir. La clé, la carte, en fait c'est pas compliqué, les imposteurs, quand vous ouvrez votre inventaire, votre carte, vous avez les tasks que les oui, innocents ont. Oui, les fake tasks, mais c'est tellement le truc que je regarde jamais, je me suis dit... Du coup c'est... Moi je regarde ça tout le temps. Si tu vois que les clés, la carte et le QR code sont pas activés, c'est que c'est pas ces tasks là. Oui, bah forcément, mais... Tout le monde est ok? Yes. Oui, ça va. Oui. Ouais. Voilà, automatiquement, je suis rose, mais c'est pas. La chance. C'est en mode. Gay. Ah, les frises qui a quitté. Les frises qui a quitté. Ah bah non. Le crash. On relance ou pas? On relance, ouais, peut-être. Oui, on peut relancer. Ouais, on est pas des. On est pas des. Allez, les imposteurs, même quitter la game maintenant. Allez. Désolé, RTL. Quoi? Mais. Oh non, j'ai dit. Tu veux, c'était roi et RTL. Mais j'ai fait tuer. T'avais déjà ton CD? Moi, il me reste encore 3 secondes. Bah, on reprend le même code. Tu l'as gagné. Mais oui, mais c'est le même code. Petit speedrun avec RTL, tranquille. Non mais le mieux c'est... Je te dis, le meilleur screen... Faut que je le clip ce screamer là, parce que vraiment, Mzel, tu m'as fait flipper tout à l'heure. C'est trop marrant quoi. Je vais les regarder ça en vrai. Mais je vais le clipper, je te l'enverrai. Je me fous sur une vente, elle sort, elle me tue le rentre. C'est vraiment pas... C'est vraiment trop bien. Que je t'ai vu rentrer dans la vente, je fais bon, c'est bon, elle va pas sortir. Et je suis sorti, je fais bon. C'est incroyable. Le pire c'est que je l'ai dit au chat, je fais oh, Rémi il est FK en plein milieu, il est un peu 1000%. Mais vu qu'il y avait du monde, je me dis ça va, je crains rien. Bah si. Le danger sort des chiottes. Un imposteur en cache toujours un autre. Allez, on suit tous les gars. Accuser quelqu'un en étant imposteur. Qui n'a pas rejoint encore? Il nous manque Jay. Jay qui est FK, je crois. Visiblement. Voilà. C'est bon. Qui est juste mute, mais qui est FK. Elle est mute, ouais, c'est ça, elle est juste mute. Du coup, c'est Jack qui a de l'écho, c'est pour ça? Non, c'est pas chez Jack. Non, c'est Mzel, je crois qu'il fait l'écho. Ah, c'est Mzel, ok. Je suis désolé. Ouais. Pas de soucis, pas de soucis. C'est soit ça, soit on n'entend pas du tout. C'est bon. On peut ça. Ah, Machine, t'as pas de soucis, c'est bizarre. Bonne game à tous. Bonne game. Tu es roi, hein? Non. Effectivement. Je veux être imposteur. J'ai refait un mur. Ouais, tu es à l'envers sur la carte? What the fuck? Merde, j'ai pas réussi. T'es moins sûr de moi, quoi? Y'a un gars dropship, what the fuck? Y'a 3 gars Elec. 4 gars Elec. Security, Elec, il reste un gars. Y'a 4 gars spécimen, y'a 4 gars. What the fuck? Attends, c'est un... Excuse-moi, allez-y, je vous écoute. Alors, marron à kill devant moi. Ah, les vues. C'est embêtant, ça. C'est tout ce que j'ai à dire. Ouais. J'étais avec JTP au labo. Elle allait faire le scanner. Je sais pas si c'est une fille ou un garçon. Voilà. Cette personne allait faire le scanner.
Du coup, je me suis éloignée parce que c'est pas vrai. Là, je ne sais pas si elle a fait avec le scanner ou pas, mais bon, vu qu'elle est morte, voilà. Et j'entends la porte de décontamination s'ouvrir une fois alors que je n'y suis pas. La porte qui passe de spécimen à décompta. Ouais. Et après, j'y vais avec JTP, je vois Marron qui sort de décompta et qui, du coup, est à labo. Ensuite, du coup, nous, on va à spécimen. Je fais la petite quête du coffre, là où on doit ranger des objets. Et JTP fait la quête à côté, là où il y a un ordi, je sais pas laquelle c'est, j'ai oublié. Je sors de ma quête et je vois le cadavre de JTP tomber par terre, marron à côté. C'est plutôt ton habitude de faire des quêtes devant les gens pour Temporat. Oui, c'est plutôt mon habitude, c'est pour ça que je suis choquée que quelqu'un a utilisé ma technique. Et du coup, tu veux dire que vous étiez... Donc il est bien à laboratoire, le mort. Voilà, d'accord. Non, il est à spécimen, le mort. Alors du coup, ça fait toi, JTP, Artendras... Et qui est le quatrième qui était à spécimen? Moi j'étais, et je confirme, j'ai vu le corps tomber devant moi. J'ai pas eu le temps de réagir, mais j'ai... Ok, d'accord. Arten? Que je te dise, c'est trois personnes qui m'ont eu. Bon bah voilà, voilà. Hein. J'adore sa défense. Bon bah merde. Hein. Donc du coup, attends, je sais que moi je suis innocente, que JTP est morte, et... Oui. Ça a dû être un bad timing parce que peut-être qu'ils ont tenté le double kill avec Metal s'il était à spécimen. Alors potentiellement... c'est pas Metal, c'est moi et pardon. Concrètement, on se connaît pas donc je te laisse le bénéfice du doute. Je suis pour faire un double kill et sentir le bail. Oui, en fait. mais voilà, je me suis pas sûre. Je pose l'idée ici. Je comprends, mais ça serait une bonne idée si c'était pas moi. Donc, en fait. Oui, mais je sais que c'est pas moi non plus, donc c'est du coup un peu débile qu'Artendras tue quelqu'un comme ça devant deux personnes. Un missile peut arriver très vite, hein. Oui. C'est tu ça. Tu fais une tasse, qu'elle passe devant, tu lui tranches la gorge, ça va très vite, hein. Bah, pour le bail de sabotage, c'est ça, le nombre de gens qui voulaient saboter et qui ont missile parce qu'il y a quelqu'un qui passe devant, c'est chaud, quoi. Bah, il doit son arme et le couette. Non. Après, je pose l'idée là, juste je pose l'idée. Pour le coup, Arten, tu pourras ce que tu veux. J'ai fait un misclic. Tu pourras ce que tu veux, sauver ton allié avant de mourir, c'est pas une solution aussi. Dire j'ai misclic pour sauver ton allié. Alors, on sait jamais si c'est vraiment un double kill raté et que t'as dit ah j'ai misclic pour pas que l'autre soit accusé. Non, j'ai un DPI de merde sur ma souris, j'arrive pas à le régler correctement et j'ai l'ancienne habitude de ma souris. Donc, c'est pour ça. Là, clairement, c'est un misclic. Merci pour le sub, incroyable. Adieu. Nizel Zidar, mesdames, messieurs. Je voulais m'exprimer avant, désolé. C'est gentil. Merci beaucoup pour l'abonnement, mon pote. C'est 21, merci beaucoup, mon pote, pour le soutien. Et pour les 3 mois de sub, formidable. Mec, 3 mois de sub. Je te raconte pour pas l'accuser. Merci beaucoup. Très gentil à toi. Fais péter le son. Le retour. Et du coup, des petites flammes trop mignonnes. Merde, j'ai raté ma tasque du coup. T'es un superbe boidge. Trop mignon. Merci beaucoup. À la map. C'est bon. À force, je prends le réflexe, les gars. Vous voyez, je suis un bon streamer. À force, je prends le réflexe. Cette map, je l'ai trop souvent oubliée. Dites-vous que j'ai fait une game d'imposteur, les gars. Je l'ai oubliée pendant toute la game. Cette musique est absolument horrible. Cette musique est absolument horrible. J'ai appris des BD là. Ouais, moi aussi, mec, j'ai appris des BD de ouf. En stream et tout, je suis en train de kiffer mes grands morts le jeu là. Le jeu est devenu tellement trop beau, mec. Il est trop beau, il est trop bien. C'est un plaisir. Franchement, mec, ça devient un plaisir à jouer à des BD. Pas de mort, tout se passe très bien pour l'instant. Je suis trop. En fait, depuis que j'ai arrêté LOL, je suis dans une wave de positif, mon gars. Vraiment, c'est trop bien. Oh non, j'ai encore les canisters. Oh, fais chier. Ah, j'ai stoppé LOL. Overwatch m'énerve encore un peu, mais le jeu est fait exprès aussi. Mais ouais, reprendre des BD après avoir
En fait, ça fait un mois et demi que j'y repense. Et que je me lance pas en me disant je vais encore attendre d'avoir la hype vraiment d'y jouer à fond et de pouvoir doser le jeu comme un porc. Hein. Et là, ouais. Dommage. Et là, ouais, j'ai un plaisir de fou à y jouer. Des meilleurs. Ouais, si tu veux, mais carrément. C'est quoi, mais carrément. Bon. Alors, okay. J'ai des infos. J'étais au CAM. C'est toi au CAM. Okay. Ah, c'était moi au CAM. Il y avait du coup, il y avait Camille. Et il y avait, je crois, les deux verres Zut. Il y avait les deux verres, du coup, à l'arbre ou à O2. Enfin, dans cette zone-là, j'ai accès qu'au début de O2. Mm-hmm. Et je vois Camille se remonter vers l'arbre. Je vais chercher Clémentine. Et à ce moment-là, je vois Jay. Je suis sûre et certaine d'avoir vu Jay. L'autre verre, je ne sais pas où est-ce qu'il allait. Je suis sûre et certaine d'avoir vu Jay. J'ai vu Mamzelle et... sortir de... Alors, il est mort il y a 3 secondes, hein, j'ai oublié ça. Mais... 3 secondes. D'accord. Ouais. Et du coup, je sens la merde. Je sens la merde, donc je sors de mon... de cam. Je descends voir ce qui s'est passé à l'arbre. Et vu qu'il y a les lights, je ne sais... Je pense qu'il y a vent, mais je ne sais pas. Je suis pas sûre vu que je vois pas. Et là, je vois le bouton rouge s'appuyer. D'ailleurs, j'étais avec Roi et Noah à ce moment-là. Ouais, quand je t'ai vu arriver au moment où je reporte. Et ben moi, justement, j'étais admin. Je regardais un peu qui était où. Et j'ai enfin découvert qu'on pouvait voir en fait la distinction entre cam et électrical maintenant. Incroyable, c'est génial. du coup, je voyais un ou deux, un cam qui bougeait pas. Je pensais qu'il y avait un kill cam vu que les cams étaient éteintes. Et au moment où je suis arrivé au deux, j'ai croisé Mamzelle à l'extérieur qui venait de là-bas. Et j'ai trouvé le bouton rouge quand je suis arrivé dans la salle et je t'ai vu arriver par en bas. D'accord. Après, je suis sûre et certaine d'avoir vu Jay, mais je sais pas. Pas où est passé Mamzelle. Je l'ai perdu. T'es mute, Mamzelle, pour l'instant. Merde, j'ai baissé son son. T'étais office. Et allant vers Boiler Room et O2, justement. Ok, c'est... Ah oui, c'est vrai, je t'avais vu dans la... Ouais, c'est l'esprit, la map. Oui, c'est vrai. Là, ils discutent, du coup, on s'en fout des bâtiments. Du coup, Jay, toi, t'étais... Bah, j'étais effectivement dans cette zone-là, mais j'ai pas compris ce qui t'a fait dire en mode c'est la merde et je vais voir, parce que je suis effectivement passé par là. Après, je me suis pas éternisé non plus, quoi. Oui, mais je t'ai dit, j'ai vu Camille remonter vers l'arbre. Après, toi, je serais certaine de t'avoir vu aussi remonter vers l'arbre. Et il y a les lights qui se coupent au moment où je lâche les cams. Je me dis, c'est la merde, faut que j'aille voir. Du coup, je suis allée voir et Camille est mort. Mais les lights, elles étaient réparées avant ça, hein ? Non, il y a eu deux fois les lights qui ont été coupées. Ouais. Là, actuellement, elles sont encore coupées parce qu'au moins à droite, il y a une flèche rouge. Oui. Intéressant. Mais... Suspect numéro 1. Je trouve qu'on m'accable beaucoup sur cette game alors que bon, mais là, ça fait deux fois que je t'ai fait cramer avant. Tu as vu les clés, oui, c'est le question ça. Là, ça fait deux fois qu'il y a un truc bizarre du coup. À deux fois, t'es à un endroit où il y a un mort. Moi, je constate que ça fait deux fois que t'es dans la zone du mort aussi et que tu m'accuses. Mais là, il y a le roi qui est mais là, il y a Roy-M qui me protège. Tu veux que je tue devant lui ? Non, on est à 7. Mais oui, on peut skip. Après, on a déjà éliminé normalement Arten, mais bon. Oui. Oui. Il oui. y a des choses qui me font dire que ça peut pas être Mamzelle. Ok. Je pense pas que ce soit Mamzelle aussi. Moi, je l'accuse pas non plus, hein, mais ouais, je bois tout. Je sais que je l'ai pas vu, mais je l'ai vu à travers les lights. Je vais pas m'avancer sur des trucs. J'adore ce truc, c'est trop bien. Vous m'aidez à lutter contre les problèmes de reins. Oh, regardez le petit popo. Il est encore là, le petit pupette. Oh. Ah, il reste plus que ma tasque. Ah, du coup, c'est moi qui reste, les gars. J'apporte la fin de la partie. Maintenant. Ah non, c'est pas moi qui restais. Ah, j'ai le seum. Ah, JJ. Y'a pas moyen, JJ. Pas ta catin, genre! En katana, tu t'aides ça, baby! Non, mais c'est pas Jack qui m'a tué?
C'est pas Jack qui m'a tué ? Ah, c'est l'autre vert qui m'a tué ? Qui m'a tué ? C'est le vert ou le... C'est le vert clair ou le vert foncé ? Bien joué ! Ouais, non, mais c'était cramé depuis le début, mais on a eu un souci dès le départ avec Arpen, en fait. Vous vouliez dire que chacun sait que je suis une tub en étant impostrice toute seule, j'aurais jamais gagné, clairement. Putain, je commençais à être confiant, je me suis dit, bon bah, Pora, tu penses qu'elle est Ino, et puis... Mais là, je vois Arten qui me défonce la gueule. Mais par contre, Arten, ça botte pas quand t'es plus là, parce que ça me perturbe. J'ai enlevé juste les portes pour leur faire ralentir du temps. En fait. Ouais, mais t'as coupé les lights une deuxième fois. Ah, oui, pardon. Ah, t'as ruiné, oui. T'as ruiné. Le dernier fois, c'est moi. Même deux fois, d'ailleurs. Mais pas de problème, hein. Moi, je veux pas botter la pierre des conneries, j'en fais tout le temps. J'aimerais bien arrêter d'être un poster, s'il vous plaît, parce que ça réussit pas du tout. Je suis un bon coup, mec. Je te plaît, ça. Y'a pas de soucis, vraiment. Ouais, ce serait cool. Tu sais quoi, je prends le post-it du. Ah, mais j'ai pas le temps. Non! T'as pas le temps de prendre le post-it dump. Ouais, du coup, je suis pas un pot. Raté, dommage. Le truc de con, parce que soit il ment et tu te dis, bah ok, il a. Enfin, c'est comme. Enfin, pour le coup. Ce que je viens de faire, j'aime pas du tout. Parce que c'est vrai que quand on est en jeu sur des serveurs normaux et qu'un mec me dit à toutes les games, t'es chier, je suis pas un pot, hein. Au bout d'un moment, psychologiquement, tu commences à y croire. Et du coup, c'est trop relou parce que. En fait, au bout d'un moment, t'as forcément un ou deux mecs qui y croient. Et du coup, ça te baise dans ton raisonnement. Ouais, t'es sur le Simon, j'ai fait les chiffres, d'accord. Elle est tellement large, la hitbox. Ah, d'accord. Ah bah yes. Oh putain, double. Ah. J'aime bien mes petits. Ah. Vous êtes... Ouf. J'étais en train de vouloir faire la bobine Tesla sous office, là. Ouais, juste au-dessus de storage. La bobine Tesla. C'est le truc qui fait faire les labyrinthes. En fait, là, on est juste au-dessus de storage. Entre voilà vers en direction de l'entrée de laboratoire. On revient moi je reviens d'Electricolo. Ok, parce que moi je suis dans la bosse. Parce que je vous ai vu faire les filles, vous avez fait la bobine en sortant juste à droite, et après j'ai croisé McLean vite fait au labo quand j'étais en train de faire le télescope, et après je suis descendu en dessous. Ok. Moi je suis parti juste directement faire ma tâche weapon vu qu'elle est un peu longue, et après je suis parti faire le labyrinthe à droite de weapons. Le truc qui est bizarre, c'est que Jay, je t'ai pas vu au labo. Ah non, mais meuf, je peux pas être impostrice à toutes les games. Oui, non, je sais. Je sais, t'inquiète, mais après les lights étaient éteints, donc du coup, je sais pas. C'est vrai que les lights étaient éteints. Il y aura de l'écho. Là, tu viens de sortir de labo. Au moins, on entend même Zelle, sinon c'est pas. Est-ce que les deux corps sont au même endroit ou est-ce que c'est éparpillé encore? Ça, je sais pas. Je sais même pas où ils sont, les corps. Ouais, Pixel nous appelle. Ah oui, mais Pixel, il a report, du coup. Oui, il sait s'il y a les. Et c'était où, du coup? Non, il y en a qu'un seul. Moi, j'en ai trouvé qu'un seul, de corps. Ok, d'accord. Et c'était où? Ouais, parce qu'il y a deux morts, quoi. Donc... Bah, c'est ce que j'ai dit. C'est juste au-dessus de storage, à côté de l'entrée de laboratoire. D'accord. Attends, rappelle-moi, tu étais avec. Alors, il y a quelqu'un d'autre avec moi. Non, j'étais pas avec Arten. Bah, si, j'étais derrière toi. C'est toi qui es derrière moi? On sortait de l'électricole, on a remis le courant et après on est parti. Oui. Je suis parti au laboratoire. J'avais pas vu que c'était ta couleur qui était derrière moi. Bah d'accord, mais enfin on a remis l'électricole ensemble, ça oui, c'est une certitude. Donc excuse-moi, Pora, j'ai pas bien entendu ta question, j'y réponds avec plaisir. Est-ce que tu viens de sortir de labo ou pas? Je suis sortie il y a pas longtemps. Ouais. Là j'arrivais sur la bobine et j'ai même pas eu le temps de cliquer dessus pour faire le labyrinthe. Ok, parce que là je viens de sortir de la première pièce de labo, pas la fusée, mais celle juste à côté. Ok. Voilà, c'est pour ça. Du coup, c'est normal. Mais non, je t'ai pas croisé, effectivement. Oui, du coup, c'est normal. Parce qu'on s'est pas croisé. J'avais vu aussi Pixel au tout début en train de faire la bobine devant le laboratoire. C'est tout ce que je sais. Voilà. Je sais que j'avais vu quelqu'un à l'intérieur du laboratoire, mais comme les lights s'étaient coupés au même moment, j'ai pas pu voir ni qui c'était ni la couleur. J'ai vraiment vu que le petit contour noir. Du sac. Voilà. Du coup, s'il y a quelqu'un d'autre qui était moi, j'ai rien à dire. Dans le laboratoire. Toujours tout seul, le vagon spécimen. Je sais que McLean, il y a été. Ah, bah, c'est ouais, j'étais dans le labo. Ouais.
Je suis arrivé largement en premier, j'avais personne derrière moi quand je suis arrivé à spécimen. Okay. Je doute que tu m'aies vu. Non, mais si t'es passé par labo, peut-être que je t'ai vu. Mais je sais que j'ai vu quelqu'un, mais j'arrive pas à me souvenir de qui. Ok. Voilà. On n'a pas d'infos, quoi. Bref. Oui. On n'en sort pas trop aidé. Grosso merdo. Bah, nice. Hein. C'est pas raté. De rien. C'est pas habile pourtant. Tu sais, tu fais ça, t'accuses tout le monde, tous les temps t'accuses un mec. C'est pas lui, tu te trompes, c'est pas grave. Et à la fin de la game, dès que la partie est finie et que tu perds, tu dis je le savais. Je savais que c'était eux, c'était cramé. Strat de con, j'essaie de te dire. On l'a fait une fois ça. Je crois que j'étais. Je sais plus pourquoi. Je devais être mort ou je sais plus. Mais il y a eu une idée générale d'exécuter tout le monde en fait. Les impôts ont fait genre 2 kills. On a tué 6 gars au vote. Ça a été une boucherie. Ça a vraiment été une boucherie. Une boucherie, mais uniquement de vote. Il n'y a pas eu de kill. On avait des impôts qui étaient super mauvais, je crois. Oh, j'ai fait ça, ce qu'il m'en faut. Nickel. Oui. Il est où le corps ? Laboratoire, mais j'ai pas vu le corps hein, quand j'étais dans le noir, mais il est sur la partie droite de laboratoire en direction du scan. Okay. Ouais, j'ai vu au labo pixel, effectivement. Est-ce que quelqu'un a vu quelqu'un partir vers admin, enfin vers le bas d'admin avant moi? Je suis pas elle. Parce que en fait, je suis descendue à admin, j'allais vers spécimen, j'ai fait la petite task à côté de vide des vitals, et je vois la porte de décontamination d'admin qui s'ouvre. Donc du coup, le temps que moi je rentre et tout, j'arrive pas à voir la personne tierce. Il y a les lights qui s'éteignent. Je fais ma petite quête à spécimen au moment où ça s'éteint. Du coup, je me dis, c'est sûr, il y a un kill à le laboratoire. Et là, j'étais en train de remonter. Mais je sais pas qui est rentré dedans. En tout cas, il a fait le chemin admin, spécimen et labo. Sinon, on va parler de maison. Qui est où? Pixel, t'es où? Bah moi je suis dans le laboratoire, c'est moi qui viens de reporter le corps. Je suis un peu con. Alors, aussi, je suis dans le laboratoire. Moi je suis avec mademoiselle là. Weapons. Okay. Moi là j'allais rentrer à Electrical et là il y a eu le report. Je suis tout seul. D'accord. T'as fait quoi en laboratoire, Jay? J'ai fait quoi au laboratoire? J'ai fait le badge. Non, ça c'est office ça. Ça, j'ai surmonté parce qu'après j'ai changé de. J'ai fait la bobine Tesla qui était en bas, que j'ai pas eu le temps de faire à la fin de la première run. Okay. Je suis passé par labo, j'ai croisé Pixel en train de faire sa fusée. Enfin, en tout cas, au niveau de la fusée, je sais pas s'il était en train de la faire. Et après, je suis sorti pour aller à l'électricité. Mais comment es-tu rentré en laboratoire? Et à laboratoire, oui, pardon, j'ai fait la task juste le petit interrupteur de merde qui dure 2 secondes, c'est pour ça que je les ai fait. Ouais, la node après là, d'accord, ok. D'accord. Et juste une question, c'était Madzel et Mac qui ont découvert le corps, c'est ça? Non, c'est Pixel. Non, pas du non tout. C'est moi. C'est pour, on est à l'opposé total, on est au niveau de Weapons, le corps est au labo apparemment. Donc. D'accord. Et du coup, Pixel, c'est quoi ton chemin? Bah moi, je suis parti de d'admin, où j'ai fait mes quêtes, et mm-hmm. Je suis monté en laboratoire directement où j'avais un certain nombre de quêtes à faire. Et quand les lights se sont déclenchés, je suis allé voir à droite un petit peu plus loin en direction du scan et je suis tombé sur le corps. D'accord. J'ai passé ma vie au laboratoire. Ok. Et tu viens pas de dire que t'avais pas vu le corps? Pardon? Tu viens pas de dire que tu l'avais pas vu le corps? Bah, j'ai pas vu le corps en tant que tel, j'ai mon bouton report qui s'est allumé. Ah oui, ok, oui, parce qu'il n'y a pas les lights, donc oui, ça peut faire sens. Ouais, okay. les deux seuls à weapon, c'est. Personne n'était admin, du coup, j'imagine, là. Non, moi je suis à spécimen. C'était la question de Porat. Mm. Je sais pas. Alors... T'as là les impôts, ils boivent du petit lait, y'a personne qui soupçonne personne. Quoi. Mais c'est ça, c'est bizarre. Bah, moi je me dirais, ce que t'avais pas, c'est bizarre là. Bah pourquoi? Wow. Tu es sur des astéroïdes. Terroriste. Vous êtes comme par hasard un dieu qui sait en fait, c'est pour ça. C'est le dieu qui se dit ouais c'est ok, on était tous ensemble. De toute façon, si ça vient à weapon maintenant, c'est que. Par exemple, en tout cas, j'ai personne qui vient me voir. Là, je suis à l'aveugle, mais je vois que personne ne vient me voir.
Donc si ils étaient à Weapon, ils ont fini et ils sont restés là-bas malgré tout. Ok, les impôts vers Uito. Alors, O2, Elec. Trois joueurs à Elec. Alors que les verres sont rallumés, il y a trois joueurs à Elec. Il n'y a pas de mort, il y a trois gars à Elec. Bah, l'imposteur était à côté de moi, du coup. Il s'est barré, il m'aurait tué. Les lumières se recoupent. Il y a un gars à Security. Il y a un gars à O2 qui est parti. Il est revenu à O2. Les deux imposteurs sont là-bas. Hein. Ok, c'est celui avec le skin de chien. Les deux imposteurs sont là-bas. Hein. Ils ont remis les lights. Il y a toujours pas de mort. Où est-ce qu'ils sont? C'est encore des imposteurs qui arrivent pas à se mettre bien dans leur game. Hein. Oh merde. Par contre, elle, j'ai pas du tout confiance en elle en fait. Et en plus, y a pas de mort. Je ne serai pas le dîner d'un imposteur. Salut! Je me casse. Je vais à sécu. Ciao, bye bye. On va faire un détour par... En principe, y'a personne. Ok, vous êtes où? Bah, là, je suis là où il y a le corps, fatalement. J'ai pas vu exactement où il était parce que les lights étaient coupés, mais ça m'a mis report et je suis à sécurité. Ok. Il y avait quelqu'un en terme depuis longtemps parce que la lumière des cams était allumée depuis 1000 ans. Oui, c'est là où j'étais. En fait, le kill est super récent. J'étais juste allée voir au cam qui c'était et je pensais bien que c'était noir parce qu'on avait fait les lights. Enfin, il avait fait les lights et je venais d'arriver et il en sortait et je l'ai vu arriver vers Security. Mais les lights, il n'était pas là, on n'était que deux à faire les lights. Et non, mais après. Ouais. Non, mais après. Je sais pas combien de fois il y a eu les lights, mais je sais qu'il y a eu une fois où il était là. Et après, il était à Security. Ouais, voilà. Et moi, je sors et d'ailleurs, c'était la seule personne qui pouvait m'innocenter parce que je suis passée par l'extérieur et il y avait les lumières des cams allumées et là, je suis à communication. Alors, ma petite théorie, je pense que les deux imposteurs sont passés. En fait, j'étais admin pendant quasiment toute la partie. Donc, j'ai vu beaucoup de fois trois gars à Security, Elec, O2, beaucoup de joueurs qui se déplaçaient là-dedans, mais souvent trois gars à Elec. Je pense que les deux imposteurs étaient. Quand la light était coupée, les imposteurs étaient à Elec, à attendre un duo qui passe. Ça a fini par être trop long, ils ont remis la light eux-mêmes. Ils ont croisé personne. Il n'y a pas eu de kill. Moi, tout à l'heure, j'étais avec Jay et puis on a remis les lights. D'ailleurs, on a galéré. On a galéré, oui. Et je me suis dit, après, à la fin, je me suis dit, ok, je te laisse faire parce que on a tous les mêmes boutons en même temps. Mais oui. Vous avez remis lesquelles de lights? Les premières. Ok. C'était les premières ou les deuxièmes? Oui, c'était les premières. Parce que même après ça, les deuxièmes, c'est moi qui les ai remises. Parce que même après que light était remise, les lights étaient rallumées. J'ai vu les mères se rallumer, j'étais encore admin. Et il y a encore eu trois gars qui étaient encore à attendre à Elec. Deux. Et un qui partait à Elec. J'étais à Elec aussi, parce que j'avais des tâches à faire. Enfin, pas à Elec même, mais j'avais mes bails à Boiler Room. Après, j'y suis retournée parce que j'avais fini mes tâches. Je retournais à Elec pour aller voir les cams. Et c'est là où les lights se sont rééteintes. Et j'ai trouvé, sans le trouver, le corps de McLean. Mais pour moi, sur on a 60 secondes. Ouais. Et à Artendras, t'étais à Labo, toi, non? J'étais au début à Labo. Et là, ouais, je t'avais vu sur les cams. Vers communication et Waypoint, j'avais mes astéroïdes à faire. Ok, je t'aurais croisé après. Et Pixel, toi, t'étais où? Parce que je t'ai pas vu sur les cams. Vitals. Ok. Mais Camille, tu peux confirmer? Juste à l'instant, en fait. Ok. Ok. Et Camille, ouais, je l'avais vu rentrer dans admin. Ouais, je suis montée là. Donc il y avait vraiment moi, Madzel et Jay. Et Madzel, je l'avais vu un moment à. On a 25 admin. Secondes. Enfin, à Electrical et tout ça. Et on après, un moment, je l'ai plus revu et je l'ai plus revu après. Là, les gars, faut voter, on a plus de 20 secondes. Je le sens mal, Madzel.
Moi, je le sens mal pour Rat, parce que Mamzelle, pour le coup, je pense que c'est une meuf sûre pour le moment. Mais ouais, vu que t'as été très souvent avec elle. Après, c'est peut-être un peu que tu parles beaucoup, mais... je parle beaucoup parce que j'ai des trucs à dire, mais après, voilà. Il y a beaucoup de choses à dire, effectivement. J'ai beaucoup de choses à dire parce que je vois beaucoup de choses, en fait, c'est tout. On va voir tout de suite, de toute façon. Ouais, bon, de toute façon, que dire, hein, cette game, ma foi, s'annonce très compliquée pour l'instant. La difficulté de la part des joueurs, les innocents, hein, à s'imposer dans cette partie. Et les imposteurs, hein, qui, pour l'instant, bien font des kills. Oh, on m'a mis trop bien. Par rapport aux autres, t'entends pas? Ah ouais? Bien joué, on a gagné au task, putain. Yes. J'ai. Eh oui. Putain, c'est du coup, c'était bel et bien Mazel, voilà. Je l'avais dit. Putain, mais à chaque fois que je lui fais confiance, c'est l'imposteur. Je te sentais pas de la partie. Tu sais que quand t'es venu me voir Admi, je me suis cassé en disant c'est elle, c'est elle, c'est elle, c'est elle. Je me suis barré. Je me suis cassé à laboratoire, je vais te le dire un peu. Je me suis laissé avoir soupçonné. Voilà. Oh, je le savais. Bon, on a gagné quand même, mais ton sacrifice n'a pas été en vain. Ouais, de toute façon, il me restait qu'une seule task, donc en soi, je m'en foutais un peu de mourir là. Pour je suis trop bon ce soir, j'ai du pif ce soir. Putain, mais ce soir, je joue vraiment comme une queue. C'est encore mieux, décidément, j'ai un problème ce soir. Les gonzesses qui sont pas vraiment. Je crois que j'ai kill qu'une seule personne, j'ai kill que le roi, je crois en fait. Oui, j'ai pas kill des rats. Je t'ai vu, les lights étaient éteintes, je me suis dit ok. Tu passais une belle game, toi, vraiment, roi, pour le coup. C'est surtout que j'arrive sur le cadavre avec Pix, moi juste derrière, je fais oh putain de merde. C'était Pixel le deuxième du coup. Non, c'était Mzel, je te l'ai dit, c'était Mzel. Arten. Mzel et Arten. C'était Mzel et Arten, c'est ça. Et à chaque fois, j'attends de voir. Okay. Je vois quoi, et ouais. Une personne, il y a tout le monde qui arrive au même moment. Mais putain, je suis encore innocent. J'ai le chef. Ah, j'en ai marre d'être innocent. C'est pour ça que je dois. Ça marche, mec. Bonne nuit à toi. Bisous. À demain. Et bon courage pour ton dimanche. Bonne grâce mat. Et puis tryhard des tâches ménagères. Oh, si on me tue, ça me casse les couilles. Ok, Pixel trop chaud. Carry par mon chat, les gars. Je suis de temps dans mes tasks, ça m'énerve. Ah. Tu m'as fait flipper, Julie. Ah mais oui, tu peux avoir confiance en moi, mais c'est vrai que j'ai eu un peu peur, en mode, on est coincé à la décontamination. Non, c'est pas ça, c'est qu'au moment où j'appuie, il y a l'animation du mort, j'ai cru que c'est toi qui venais de me tuer. Ah non, Bichette, non, je ne t'ai pas tué. Mais c'est vrai qu'on s'est un peu collé au cul, toi, au début d'un run. Hein. C'était vers le laboratoire, je présume. Non. Pas du tout, parce qu'on y était, il y avait rien. Non. Parce que je t'ai croisé il y a pas longtemps. Oui, j'ai fait mes quêtes laboratoires, je me suis barré parce que je me suis dit, on est... Si ok, oui, bah pas, oui, c'est vrai que j'ai eu 10 secondes de scanner. Les 5 ou 6 laboratoires, je me suis dit, hors de question. Je suis désolé, j'étais sur les cas, mais j'ai vu le meurtre en direct. Ah! Ouh! Alors, c'est le tout, là. C'est McLean, le meurtrier. Oh putain, pas de ah, bah, je sais pas pourquoi, je sais pas. Tout ça partit les corps. Bon. Il est très en chair, ce soir. Est-ce qu'on peut savoir où il est, du coup? Il est à côté de la température. Moi, j'étais à la. Ah, à Vitals, ok. Ouais. Tu étais où? Ah ouais, moi j'étais à la bobine Tesla, tout en bas, en centre, après près de l'admin. Attends, tu te défends quand même? La bobine tout en bas, oui. C'est vrai. Tout en bas, la bobine Tesla à côté d'admin, tout en bas, à côté de Weapon, entre Weapon et admin. Et du coup, comment. T'es vraiment sûr que c'était le noir, hein? Ah ouais, j'ai reconnu le beau chapeau. Non, parce que. À chaque fois, je me fais accuser et. Je comprends, oui, je pas. ça m'est arrivé dans une. Et zut, du coup, attends, juste pour être sûr, c'est qui était au light déjà? Nefris? Non, oui, c'est okay. Ok, et du coup, tu l'as vu arriver par où pour faire le kill? Par en bas ou par en haut? Sur les câbles, on le voit pas arriver, je crois. Enfin, okay. Tu sais, c'est en bas du laboratoire donc. Mais je me pose la question, on va vraiment voter alors qu'il y a eu qu'un kill?
Bah, s'il était, il a été pris en flagrant délit, pour le coup, voilà. C'est... Bah, après, mais on dirait bien d'accord que c'est assez accablant, mais concrètement, il y a qui peut confirmer, à part la personne qui était au CAM? Mais ouais, c'est pour ça que c'est bizarre de début de game d'être au CAM, comme ça, je sais pas. Ah non, ça c'est pas bizarre ça. Non, ça pour le coup, ça l'est pas, regarde Roi ME. Bon bah, surveiller Nefris quand même. C'est ça. Au pire. Sinon, on prend les deux. Ouais, ça... ouais, si on vote les deux, ça me dérange on pas. Jette pas hein. Après. On jette Nef après. Pas la lave, s'il vous plaît. Écoute, tu vas y passer. Moi, je vais pas tuer Nefris. Ça me dérangerait pas. On fait un petit 1 pour 1 là. Oh, tout cela. Le pire c'est que je le sens en la passant, je me dis t'es trop lent. Bon, du coup, Poral, j'ai pas confiance en elle. Hein. Même si elle a jeté un impôt. Elle prétend avoir jeté un impôt, mais. Oh, bah, Nefris, on peut voir tout de suite s'il est imposteur ou pas, tiens. Ah! On se fait confiner! On n'a pas respecté juste barrière, René Fris et moi. Coucou! Pas de kill! Ok, ouais, me galère. Ok? Ok, il est là, Nefris. Qu'est-ce que j'aime pas ce masque que porte Nefris? Ce skin est si moche. Pas de mort au cam. On va pré-shot les lights. Bah, regardez. Regardez-moi ça. Magnifique. Performance exceptionnelle. Le streamer colombien qui a réussi directement à ôter le pain de la bouche du bourreau. Les imposteurs qui malheureusement souffrent du seum. Mais arrêtez de me confiner là, putain! C'est trop chiant! Y'a un imposteur qui me suit ou quoi? Je peux plus! J'ai un milliard de tasks à faire ici, ça c'est par là. Mais trop tard. Attends, je sors de com. Y'a Nefris qui rentre dans les com. Et j'étais avec Rouge dans les coms. Je sors de com, il y a Nefris qui rentre. Et bizarrement, Nefris meurt. Alors le problème, c'est que c'est Pixel qui vient de rentrer en fait dans les coms, c'est pas Nefris. Ah, pardon. C'est Pixel que tu viens de croiser, oui. Et oui, du coup, moi, je rentre dans les coms, je te croise en sortant, et bizarrement, je trouve Rouge mort dans les coms. Nef, il est devant les caméras, pour info. Nef était pas allé chercher porte les corps parce qu'il venait de sortir des caméras, il était à côté de moi. J'ai pas vu la cam. Moi j'ai laissé Nef au cam et je me dirige des coms. Non, non, là c'est bizarre, mais. Mais attends, j'étais au com, je fais le download et je sors. Il y a encore Nefris, enfin il y a encore Rouge qui est vivant. Je me m'emmêler avec les deux, hein, c'est pas possible, je vais les appeler par les couleurs. Du coup, je sors de communication, il y a Rouge qui est encore vivant et du coup, je croise Bleu à l'extérieur, Bleu rentre. Rouge meurt et il reporte. Tu veux vraiment convaincre avec cette histoire? Parce que moi j'ai l'histoire inverse. Bah, de toute façon, on est que deux, donc on fait un 50-50, si tu veux. Oui, oui, c'est 50-50. Non, je suis tout blanc. Je suis tout blanc, non, il était bleu. Je parle de mon pseudo. Ah ouais. Je suis sûre et certaine que ta self-report est juste pour m'accuser après, parce que c'est sûr et certain que McLean est un beau. Donc, t'as que ça à faire pour rester au moins en vie, un tour de plus. Eh ben, tu vois, j'aurais pas mieux dit niveau de ta stratégie. Ben voilà. Je suis sûr et certain que tu as kill et que tu t'es fait prendre et que du coup, tu vas me balancer ça sur moi pour essayer de rester en vie. Maintenant, en vrai... Et donc, vous du avez... coup, ce serait la seule chose à dire pour te défendre, justement, que tu as tué cette personne. Déjà, avant de faire des couillons, vous êtes sûr que c'est pas un kill vent, déjà. Je sais pas où est le corps, mais vous êtes sûr que c'est pas un kill vent. Y a pas de vent en communication, le corps est en communication. Ok, ça marche. Oui. Devant le download, justement, le fameux download de la Discord qu'elle n'a pas fait. Et je l'ai fait, le download. Mm-hmm.
Pierre Descaj... enfin voilà, vous avez deux coupables, hein. Donc bon. Vous savez ce que vous avez à faire, hein. Vraiment, vous le faites dans l'ordre que vous le souhaitez. Moi, je m'en fous. J'ai tout sur le download à terminer. Donc, t'en penses quoi, Nefri? Juste en sur la download. Le truc, c'est que c'est la spécialité de Porat de tuer des gens quand il y a d'autres gens à côté. Moi, je vais vous le dire, hein, j'ai voté Porat. Maintenant, vous en faites. Moi, je te vote Pixel parce que je suis sûre et certaine que c'est toi, mais les gens choisissent ce qu'ils veulent. Exactement. Évitez de faire 2 et 2 par contre, en vrai, sortez quelqu'un à l'âme de 2. Vous vous arrangez comme vous voulez. Pour le coup, je fais confiance à Pix. Puis on pique dans la lave après. Les gars, vous pourrez vous débarrasser de moi si vous considérez que je suis un passager de trop. C'est bon. Du coup, t'as voté quoi, Nefris? Porat. Il m'a voté moi. Je te fais confiance, t'aurais pu me zigouiller 1000 fois tout à l'heure. Pour une fois au moins, ça, ce genre de manipulation sortie n'auront pas fonctionné. Ou alors on a perdu maintenant, quoi. Ou alors, bah non, on a perdu maintenant. Non, c'est la game, si pas maintenant, je te tue. Hein. Je suis désolé, mais. Bien joué. J'avais que ça à tenter, putain, je l'avais pas vu avant. Mais t'as réussi à en faire 2 kills, c'est sympa déjà. Ça va, c'est pas. J'ai réussi à faire 2 kills, mais en fait j'aurais pu en faire plus. Mais là, le truc c'est que solo contre vous tous, c'est trop compliqué. Et puis, je le sors et je le vois, j'avais que ça à tenter, j'avais pas d'autre choix. Bien joué, ce qui est dommage, c'est que une chance sur deux que ça marche, et bien évidemment, j'ai la réputation de quelqu'un qui tue devant les autres. J'en fais encore une ou deux, puis je vais stopper après. Moi. J'en fais encore une ou deux. Par contre, pour MM, j'ai arrêté de répéter ce détail parce que ça, c'est chiant. Au bout d'un moment, je peux pas tenter mes brains. Sérieusement. Oui, enfin, tu sais, moi, il a cherché à savoir si j'avais la voix de quelqu'un qui mentait ou pas. Hein. Oui, en fait, c'est pas de chance parce que Pixel, c'est le seul que je sais reconnaître à la voix s'il ment pas ou pas. Donc, t'as un pseudo génial, Pixel, c'est. C'est quand il est imposteur, il met toujours premier, sinon il est mort. Comment vous voulez que je ne sois pas... Je veux dire, tu vois, on parle des... On parlait la dernière fois des stéréotypes et des biais cognitifs des gens, comme quoi la première impression est toujours la bonne ou qu'on a, on a des préjugés sur les gens. Le mec s'appelle Pixel. Genre... je peux que l'aimer, en fait. Il a le nom de mon chat, je peux que l'aimer. C'est trop bien. Il est adorable, il s'appelle Pixel. Ah, elle est comme sa beauté. Reste pas avec moi, Porat. Hein. Ah, moi j'ai pas envie de rester avec toi, Porat. Hein. What? Il était là, lui? Depuis quand il est là, marron? De fou, mais ouais! En plus, il fait ses griffes, oh là. De toute façon, puis, bah, voilà. Après, c'est un mâle, c'est un chat. Mais putain, mais les coms! Mais ils sont 12! Ils sont 12 aux coms! Mais putain, de sous-merde! Les sacs à merde! Ah, ça me tue! Personne là-dedans? Les frises sont encore là? Les frises me tournent autour hein, depuis tout à l'heure. Y'a personne là-dedans, ok. La carte, on est là. Au scanner peut-être? Non. On va le faire, mais bon, je pense qu'il va y avoir un mort et un report dans les prochaines secondes. Ah putain, j'ai mon fauteuil qui est devenu... J'ai repris le fauteuil d'avant, le plus gros, mais du coup il est lourd. L'ancien était tellement léger que me déplacer était super facile. Mute-toi sinon. Micro. On va se faire engueuler le pauvre. Oh putain, j'ai eu le temps de finir les weapons sur le report. Alléluia. Ouais, alors, c'est quel corps qui a été découvert? C'est... Merci. Mais attends, t'étais avec moi? Non, en fait, t'es arrivé quand je venais de finir les weapons. Ah d'accord, ok. Mais c'est toujours comme ça, hein. Je te croise au weapon et j'ai l'impression que t'es avec moi 1000 ans alors que tu pars direct. Et quoi. En fait, les lumières étaient éteintes et j'ai quand même voulu aller checker les vitals. Et j'ai croisé quelqu'un dans le couloir, dans le noir. Et je me suis dit, il y a eu un rire. J'ai pas eu le temps de regarder l'overlay. Le rire est mort. Le rire est mort. Et je, par contre, j'ai eu le temps de voir la couleur parce qu'il est passé sur moi. Et donc, une personne qui est sortie. Quel affaire ? Moi, je t'ai croisé. Mais, il est pas en PNG. J'allais au light. Hein. Tu m'as croisé où ? Bah, je suis la sortie peut-être. De... Admin, c'est ça ?
Ouais, dans le couloir d'entre office et admin. Et moi, je rentrais, je venais de... Lumière était éteinte, je t'ai à peine vu. Et le cadavre était devant le card swipe. J'étais pas tout seul, admin, il y avait du monde. Il y avait beaucoup de monde. Ouais. Oui, bah moi, justement. Qui, admin moi, j'ai fait. Il y avait, bah, Mamzel déjà. Moi, Porat. Yes. Dans la zone, hein, je parle. Et... je confirme. Oh, il est si grand. Oui, mais vous étiez dans Admin, putain. Vous bougiez pas. Non, pour te dire, Arten, moi, les lights, ils étaient éteintes. Je suis allé weapons parce qu'il y avait... Il est si grand ce truc, c'est au secours. J'ai vu le budget qui faisait ses weapons. Et avant, quand je rentre dans les weapons, je t'ai vu, on s'est croisé. Ah oui, mais je confirme, il a été aux weapons. Ouais, je t'ai pas vu, le roi. Franchement, clairement, avec la lumière, croisé dans le noir. Tu peux ne pas m'avoir vu, mais je t'ai croisé dans le noir. Mais oui, que du coup, il y avait Nef, voilà. Je me rappelle pas, mais moi, pour un petit truc de micro, ça aurait fait ça. Que ça me remplait beaucoup. Je venais de le croiser dans le ça me manquait sur l'écran. Je voulais en mettre un. Pour réparer des lights. Mais il était. Enfin, excusez-moi. Il n'est pas d'admin. Il était tout droit. À mon avis, il venait de plus loin. J'ai dit qu'il est mort juste avant les lights. Parce que j'étais admin, j'ai checké pour voir. Ça rend mieux, non? Quand je regardais, il est mort. J'ai couru vers le bouton. C'est avant si peu professionnel ce que je fais. Le mec fait ses scènes en plein live. Il est laid, wesh. T'aimes pas? Moi j'aime bien en vrai, il a de la gueule. J'étais mort en premier, même Zelle est mort en dessous. Attends, je vais l'avoir mis en vrai. Donc t'étais. Ça va être trop grand en fait. Le QR code. Donc ouais, c'est possible que ce soit toi aussi. Attends, j'en ai un mec, il est magnifique. Pourquoi? Parce que le cadavre était devant le carte swap. J'en ai un mec, on dirait trop un truc de Mongus en plus. Au moment du truc. C'est possible que ce soit toi. Mec, ouais. Celui-là est trop beau. Mais pourquoi? Mademoiselle est morte là. Celui-là est magnifique, on dirait un truc de Mongus. Devant la carte swipe, à côté de Vitals. Mais après, c'était là, c'était pas moi, bon, j'ai... il avait pu pas l'avoir vu, non? Non, mais il est trop beau, celui-là. Quand tu arrives dans la pièce, t'as le gros report. Moi, je l'avais avant même d'être 30 moi, je l'ai vu. Magnifique. Moi, je l'ai vu. Ouais, ça peut pas juste être G, les autres. Je suis désolé, j'ai pas voté, j'ai honte. Trop bien. Ah, tu vois, il est trop bien. Voilà, je l'avais dit, il est trop bien. C'est tout. Ah, pardon, mais putain, ma sunboard. Je fais peur. Il est trop bien. C'est tout. M'emmerdez pas, le chat. Faites pas chier. Putain, mais pourquoi je me sens constamment ridiculisé par ce stream? Je suis le clown de mes viewers. Mais moi j'ai oublié que j'avais une sunboard. Ah mec, mais des fois ça me fait peur hein. Je te jure, l'autre coup j'avais l'ancestral Drake de LOL sur une de mes touches. Tu sais, le. Et bah, je l'ai lancé sans faire exprès, j'ai fait un bon mec. Oh, mon cœur il faisait. À boire, à boire, à boire, à boire. Putain, attends, faut que j'ouvre. Mais putain, j'ai même pas assez d'eau pour boire tout. Arrête, putain. En plus, je mets des superbes trucs dans les prochains jours. J'ai plus d'autre façon. Putain, mais arrête. Eh, ça te dit pas que tu remplaces tous tes petits trucs de 100 par des 100 bits. Tu remplaces chaque chamallow grillé par 1 euro. Eh, Pixel, non. C'est ma carte postale. Mais putain, j'ai encore fait confiner. Toi, t'as acheté un nouvel iPhone. Noir est mort. Du coup, je peux plus, ouais, j'imagine. Ça, elle arrête! Qu'est-ce que tu fais à gratter la porte? Yeah.
Ah. Borat. Oui. T'es devenu un robot. Ah bon? T'es devenu un robot. C'est qui a été report? McLean. Oui. Ouais, McLean. Il est où le corps, Camille? Bah justement, t'étais où avant? Mais moi, je suis sortie de décontamination, j'ai fait le télescope et puis j'étais en train de sortir. D'accord. De labo. Ah. Du coup, il est où? Parce que je sais que je t'ai croisé dans labo, mais du coup, il est où? Parce que je sais pas. Sur la veine dans les chiottes. D'accord. Pourquoi tu dis que Jay vient de mourir? Parce qu'il y a des Vitals. Ouais, oui, c'est vrai que Jay vient. J'étais au Vitals, j'ai vu que Maki était mort uniquement et je suis parti chercher le corps. Je viens de l'avoir sur les cas, mais j'ai pas. J'ai vu que McLean était mort bien avant Jay. Jay vient de mourir. Oui, oui, clairement. Je suis d'accord aussi. Je suis passé au Black Tolls, il était déjà mort. Ah oui, Jay, c'est récent. Mais Jay, c'est à l'instant, c'est tout récent. Attendez, je sors de White Tolls, là, je me dirige vers l'urgence, mais je sors de White Tolls. Oui. En fait, je vais vous dire, c'est simple. Pour le kill de Jay, c'est entre Arten et Nef. Alors, Jay, en fait, c'est simple, je l'ai croisé, on était à O2, elle a fait ses boiler room, j'étais en train de faire mes canisters. On s'est suivi et en fait, moi, elle est restée au niveau de le boiler room qui est en dessous d'admin, enfin à côté là, au niveau de l'entrée. Ouais. Moi, je suis rentré, je suis allé au Vitals, j'ai vu que le noir était mort. Je suis allé voir en admin pour voir comment ça se bougeait. Il y avait beaucoup de monde au laboratoire. Et Jay est rentré, parce que je l'ai vu, elle m'a attendu un peu et on est rentré, on s'est séparé. Et office, je voyais d'autres personnes. Et attends, je t'ai pas du tout vu. Moi, j'ai fait le trajet laboratoire spécimen admin. Admin, j'ai checké, je suis remonté à Vitals. Je crois que j'ai vu Camilo qui faisait des petits allers-retours vers admin, pour me surveiller ou je sais pas quoi. Ouais, attends, peut-être, possible. Nef, quand les lettres s'étaient éteintes, t'étais où? Je devais être en spécimen. Je mens, je sais où ce que t'étais. Quand les lights sont éteintes, c'est Jay qui a remis l'électricité, on était tous les deux à proximité. Ouais. Moi j'étais en O2 en train de faire ma tâche et elle remontait à l'électrical. J'ai fait laboratoire, spécimen, admin, vitals et là j'ai tout remonté vers l'urgence. Et j'ai vraiment. Non, je t'ai vu à Weapons à un moment. Ah, je suis pas allé à Weapons du tout. Malheureusement. En fait, là ça se joue entre. Enfin, pour le kill de Jay c'est entre Artan et Pix. Enfin, entre Artan et Nef. Et pour le kill de McLean c'est Porat, Camilo ou Pix. J'ai pas mis les pieds à Weapons. Camilo et Pix ils étaient ensemble pour aller là-bas. Non, mais aussi bien Nef était encore à Office. Et il a attendu, il a vu Jay, il l'a slash à ce moment-là. Sauf qu'on s'est pas croisé. Moi j'étais à Vitals au moment où il a dû rentrer dans Office. On s'est pas vu. Moi je suis allé voir admin comment ça se bougeait. Puis aussi bien, il était encore dans la pièce. Hein. Après, si vous voulez, vous sortez moi et Nef, ça me pose aucun problème. Ah, ouais. Moi, je vote Nef là-dessus, par contre. Parce que j'étais sur les cas, mais Jay, il était... Je vais garder Porat dans mon coin, dans mon champ de vision, quand même. J'ai pas mis les pierres en weapons. Hein. Je suis désolé, mais... C'est pas où tu m'as vu. Je suis certain d'avoir vu ton pseudo. Si je meurs, c'est Porat. Mais après, Camille, souviens-toi d'un truc, c'est que le kill, il était vieux, et moi, je venais de sortir de la peau. Ah ouais, je sais pas si le kill était vieux, j'ai eu le temps d'aller à la boue, enfin... En fait, si elle a fait le kill à la vente... Elle a pu faire le kill à la vente... Et se dire, je veux partir par la... Faut remarquer, non, partir à pied, c'est stupide. Ouais, non, vraiment, elle a raison. Pour le coup, elle a raison, le mec est mort sur la vente, le mec a forcément vente. Je voulais pas rentrer avec lui. Chier. Prends-moi dans le coin, fais ça bien. Les coms sont coupés. Ok. Comme par hasard, c'est fermé. Pas de mort. T'as la haine de combat, qu'est-ce qui s'est passé? Ah bah, c'était moi, désolé.
Borat, je le savais. Mais tu voulais que je fasse quoi? Mais vent. En vrai, t'aurais dû vent. Il y avait tout le monde à admin. Je pouvais pas vent. J'ai eu un sale bug parce que mon animation de shield, c'était McLean qui m'avait tué, ce qui était juste pas possible. Ouais, comme tu disais, je l'avais déjà eu ce bug-là aussi. Je voulais report encore une fois et en fait, c'était celui qui était mort qui m'avait buté sur l'animation. C'était avec Nez, je crois, d'ailleurs. Ouais. Oh merde, ça c'est chiant. Est-ce que vous voulez faire un petit scribble? Allez, un petit scribble. Moi, je vais juste m'arrêter là pour le coup. Moi, je suis chaud pour un scribble. Moi non, je vais pas m'attraper, je n'aime pas dessiner à la souris. Ouais non, je vais arrêter moi non plus. Bon, parce que moi je suis Je vais stopper là. Il y a ma femme aussi qui aimerait jouer. Je vais stopper. Ah bah allez hein. Faut demander aux autres. C'était un très bon appareil, je trouve. Non mais c'était cool. Ouais. Merci pour la soirée les gars. Vraiment c'était génial. Merci à vous. Bonne soirée à vous les copains. En assassin avec moi. Moi aussi. Bye bye. Et bah c'était super cool. On s'est trop bien marré. Franchement les gars, on va lire, voilà. Non ça joue pas, je vais stopper là, je vais cutter aussi mon live. On va arriver à 3h de stream, on va arrêter un peu avant, c'est pas grave. En soi c'est pas grave. Hop, nickel. On va stopper là comme ça je pourrais aller sur DBD avec toi, puis je vais switcher tout de suite. Je réponds tout de suite, excuse-moi, j'ai plein de DM en maison sur Discord parce que du coup j'ai dû verrouiller Discord le temps de mettre l'overlay. Du coup forcément voilà, ça... Une réponse qu'on fait, voilà j'ai fini. Merci beaucoup en tout cas, encore une fois à Roi pour l'invitation, c'était génial, c'est vraiment trop bien, c'est trop bien. Trop bien. Évidemment les gars on se retrouve bien évidemment dès demain. Demain 17h-20h, sachant que je streamerai peut-être pas à ces horaires là. Pourquoi? Parce que je vous en ai parlé tout à l'heure. Je vais stream. Je vais passer en live pour sur la chaîne de Cœur de Gamer. Je passe demain sur Cœur de Gamer du coup pour présenter un peu la chaîne et parler de l'événement caritatif qu'on va faire. Je vous rappelle que du coup dans une semaine il y a l'événement Une Mallette Un Sourire. Donc on va stream pendant une semaine pour l'événement pour la session Make a Wish. On va récolter des sous pour eux. Donc n'hésitez pas à passer également vous renseigner sur Twitter. Allez voir de toute façon. Twitter, vous tapez Cœur de Gamer et vous allez voir. Donc je vais streamer tout l'événement, on va faire des matchs, on va commenter des matchs custom Overwatch, on va faire du DBD, du Overwatch, du Among Us, il y aura du Borderlands 3, il y aura plein de jeux comme ça, ça va être sympa. On fera des games nocturnes, on fera des games de Battleground sur Hearthstone. On fera plein de jeux différents, il y aura des défis, des challenges, plein de trucs trop cool, ça va être trop bien. Donc franchement n'hésitez pas à passer la semaine prochaine les copains. En tout cas, merci encore une fois. Je vous ai dit à le roi pour roi émeu et à sa clique pour l'invitation au jeu. C'était génial en fait, on se trouve bien. Ouais. Et quand même preuve que Manga c'est un très bon jeu avec une putain de communauté. Je vous embrasse les copains. On se voit du coup demain soir très certainement. Dans tous les cas, de toute façon, vous aurez les actus sur mon Twitter et mon Discord. D'ailleurs, n'hésitez pas le petit point d'exclamation Discord qui fait toujours. Plaisir, je vous embrasse, je vous salue, bonne nuit à tous, bon dimanche, profitez bien de votre week-end, ciao, bye bye. Merci beaucoup Zalera pour ton follow.